On commence. Shalom Uvracha, Erev Tov à tous et à toutes, Kal Kadosh, c'est avec émotion, espoir que nous avons le mérite et l'honneur d'introduire ce qui nous stora pour le mérite et la guérison totale et immédiate du Rav Chaim Mordechai Ben Rivka Pesner, chaliar du Ravi pour la ville de Perpignan. Permettez-moi, avec beaucoup d'émotion, de rappeler la mémoire de son grand-père, notre cher et regretté, le Rav Hassid, le Rav Agaon, le Rav Hillel Pesner, Zal, avec qui j'ai eu le mérite de travailler pendant plus de 15 ans. Que son mérite nous accompagne tout au long de ce qui nous. Nous tenons à remercier l'ensemble des intervenants, des Rabbanim, les Mashpiim, Kol Echad Lefik Vodo ou Maalato. En cette période estivale, ils ont tous fait l'effort d'accepter spontanément de participer à ce Kinous. Je tiens personnellement à remercier d'une façon très particulière. Je sais qu'il ne va pas être content, mais je me sens un petit peu obligé de le faire. Reb Yosef Yitzhak Attal, qui est véritablement l'âme et l'énergie de ce Kinous. Comme il a été d'ailleurs lors de la première réunion il y a 2 mois dans les bureaux du rabbinat pour les mêmes raisons que ce soir. Nous aurons l'occasion, Imirsa Hachem, dans ce qui nous, de rappeler brièvement le contenu de cette réunion ainsi que les personnes ayant assisté. Il s'est démené corps et âme afin de rassembler et de sensibiliser chacun d'entre nous pour prier et remuer les cieux pour la guérison du Rav Chaim Mordechai Pesner. Nous souhaitons une grande réussite dans la largesse et la facilité pour toutes les bonnes actions qu'il entreprend dans la communauté avec une abnégation exemplaire et dans la discrétion la plus absolue. Dieu sait si ces actions sont nombreuses et efficaces. Ce soir, nous avons la chance d'avoir plus qu'un minyan de rabbanim. Le rabbi a souligné à de nombreuses reprises la force et l'impact que peut avoir sur le monde un psak din rendu par un rav. Il peut seul changer la réalité du monde. Nous sommes donc tous convaincus que l'action des rabbanim présents ce soir va avoir un impact pour changer la santé de Rav Chaim Mordechai Pesner afin qu'il retrouve une guérison totale et immédiate. C'est avec vous que nous allons ouvrir ce qui nous en donnant la parole au Rav Mendy Azimov. Permettez-moi d'avoir une pensée pour son papa, le cher et regretté Mof, qui j'en suis sûr sur son... pour son mérite, nous accompagnons tout au long de ce qui nous. Il va commencer par le Tehillim, le 20, qui correspond à la guérison, ainsi que le 40, qui correspond à l'âge Chaim Mordechai Pesner, Kadosh Baruch Hu, Midoy Narichut Yamim, Mitor Briut Nechona. Voilà, donc normalement les psaumes devront s'afficher sur l'écran. On donne la parole donc à Rav Mendy Azimov, Bechavod. Bonsoir et merci beaucoup, organisateurs. C'est un grand srout de se réunir ensemble, de faire un kinous et orout. Comme le rabbi le dit, la grandeur d'un fabrengen, la grandeur d'un kinous de srout pour le shliach, Chaim Mordechai Ben Rivka, que Dieu lui donne l'accord de longue vie et bonne santé. Et comme on sait que qu'est-ce que la force de la prière peut accomplir, rien d'autre peut le remplacer autant qu'un kinous Torah. Alors, nous allons commencer, comme le rabbi demande, par Torah, Tfila ou Tzedaka. Torah, ça va être éventuellement par le minyan de Chassidim qui vont parler ce soir. Tfila, nous allons réciter ensemble 2 chapitres de Tilim. Et la troisième chose, Tzedaka, on demande à chacun de pouvoir donner pendant la soirée, de donner l'argent et surtout dans la journée de demain, de réciter des Tilim et de faire savoir au maximum de personnes autour de nous, de dire un Tehillim ou plusieurs Tehillim pour le srout de ce Shliach, qu'on lui accorde une longue vie, une bonne santé au sein de toute sa famille, et son épouse, et ses enfants, et ses parents, et ses grands-parents. Nous allons commencer par le Tehillim Chaf. On va tous dire ensemble, « Lam natseyach mizme le David, yamcha adinoy » ויהם צורו, יסגף השם אלי יקב, ישלח עזרך מקדש, ומציין יסדקו, יסקו כל מיני חוסכו, ולא שחידש נסה להיית, אין לך כל בבכו, וכל הצסכו ימל, אין רענו בשועסכו, ושם אלי נתגל ימל, עד עיני כל משאל עוסכו,
atoyodaiti kishia de noemi shikia neemishmin koche, vurasi shemine, eleva reche, eleva susi, manachnum shimano elehino naske, hemo koroveno follow, vanachnum kamnum inisaita da de noemi shia, hamelech yameinu, beyem koreinu. Chapitre même qui correspond à l'âge du Shliach, de Modre. L'âme Natseyach, le David, s'affiche. L'âme Natseyach, le David, Mizmor, Kavé, Kavé. Il n'est pas affiché. Il n'est pas affiché là. On attend. Je pense. Voilà, c'est bon. D'accord. Alors, l'âme natse, yachle David, mizmer, kave, kavi, kivi, si adino, viete, la veish, ma chavo, si verli, ni mi bo, shoy, mi tita, yom, in le commercela, ragle, kinin asurati, veite, vifi, chodosh, tila, le heino, yiru, rami, viro, viifte, chub, adino, ashra, gever, shesom, adino, miftache, lifono, lom, se de chozov, rabis, osiso, ato adino, yelahai, ni plisecho, ma shvisecho, eleino, ein, arechel, lecho, gido, vadavro, אז מסאפ זאב אמין חלי חפת זאז נעם קריסול לי אלו לחתו לשאות אז אמרת הנה בוסי בגילה סיפה קוסו ולאי לעשית רצין חר אלא היי חפת סטיבה סרוס חו וסף מי אביסר תשתדק בכל חוב הנה ספס עליך לו עתו עדינוי עתו יודעת תתקוס חו לחיסי סייר וסייך לי בי מנסך ונסרוס חו אמרתי לי חכתי מחז לך ועמית חו לקל רוב עתו עדנה לי שיח לך מחמני חז לך ועמית חו תמיצרוני Kio for lai rois ad aim is for is good yav ni sai le khot li rois ot smo mi sai rois le shi vi li ba zo ni ra tsi ad noi la tsi le nad noi le zo se khusha i ve shu ve yar pro ya khad mi bak shi nav shi dis pes is do khe vi kom no khe tsi rois i yo se mo le ke bi shu bas ta mi rim li ot kha khe si su vi is me khu be kha kom bak sha kha im ro sa mi dik dal ad noi e ave cha se kha vani oni ve vien Adino yachshu li ezro, simi fal teato ala hai al teachar. Alors je voudrais me permettre de rajouter deux choses. Premièrement, de dire le chaim, pour ceux qui ont à la distance un petit le chaim, de dire le chaim, comme le Rebbe dit que la force de dire le chaim ensemble, ça amène la broche d'un fabringen, d'une réunion, d'un kinus, qu'on habille ça dans quelque chose de gashmi. Le chaim, que Dieu fasse une véritable foi et une bonne santé. Aussi, je voudrais rappeler que nous sommes en plein étude de Rambam, l'alchot de Shabbat, que c'est important que, comme on sait, que le Rambam, ça amène aussi la foi et la bonne santé. Et c'est l'occasion de rappeler une histoire du rabbi que dans les années que le rabbi a lancé la campagne, il y avait un ami à mon père, un chaver de la yeshiva, qui était très malade. Et il avait demandé au rabbi une bracha. Et le rabbi l'a demandé, est-ce qu'il fait attention à l'étude de l'imoud Rambam? Ça veut dire que dans le Rambam, on sait très bien qu'il y a la refoua, quand on apprend le Rambam, ça amène la santé. Alors que Dieu fasse que chacun puisse se renforcer encore plus dans l'étude de Rambam, et particulièrement que maintenant, c'est aujourd'hui la veille de Rosh Chodesh Elul, qu'on est dans les dernières minutes de la veille de Rosh Chodesh, et qu'on sait que la veille de Rosh Chodesh, c'est un jour très, très important. C'est le jour que le Rabbi il allait pendant toutes les années de l'année Siout, il allait au Ohel, et c'est quelque chose qui s'appelle Yom Kippur Katan. Le Rabbi ramène énormément dans les Sichot la valeur de ce jour-là, que souvent, le Rabbi l'a instauré des jours de jeûne, qui s'était lié avec la veille de ou le jour de Torah Tfilot Tzedaka, que Dieu fasse, que tout ça, ça portera mérite et chance et bracha et bonne santé pour Chaim Mordechai ben Rivka. Un grand Yishakéar pour Mendy Azimov. Kadosh Baruch Hu, Yahshua Memlachto, et qu'il remplisse Kol Mishavot Livo et Tova. Nous allons maintenant donner la parole au Rav Avraham Baruch Pesner, c'est l'oncle de Chaim Mordechai, qui va nous parler de l'impact que la Torah et les mitzvot
ont comme influence pour le mérite du malade. Bechavod, Rav Avraham Bavour Pesner. Dans le cadre des 10 minutes qui m'ont été octroyées, je vais essayer d'être très bref. Et donc, moi, Tamarzik et Tamerouba. Bon. Nous, en tant que chassidim, quand il y a quelqu'un qui a besoin d'une bracha, comme par exemple quelqu'un qui a besoin d'une bracha pour sa santé, alors il y a des choses que nous faisons, que nous devons faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et tout cela, il faut voir d'après les paroles du rabbi. Bon, première chose à faire, dans ce cas, bien sûr, que ça a été fait plus qu'une fois, c'est tout simplement demander la bracha du rabbi. Demander le rabbi qu'il prie pour celui qui en a besoin. Et c'est intéressant que dans l'écouté Sichot, Chélek Yud Gimel, page 49, le rabbi explique en détail pourquoi il est important de demander au rabbi de prier pour un malade, comme la Gemara dit, qui mat beferus, un baba batra, le rabbi dit la référence. D'accord, c'est Zain Amoudalef. La Gemara dit là-bas, Mishyash le cholé bitoch bito, quelqu'un qui a un malade dans sa maison, ילך אצל חכם, כל איישן חכם, כל פרי פולי, יין אותו גמרא, תעני דפחת עמוד א', כאן תסעדי דשאז, קומיונטר, כאן תפרזם פנינייה פד פלוי, לבא, במסכת תענית, לגמרא דז'ה דיפה חכם, ולגמרא די דמות, כאן תגן סיניפיקציון, ילך אצל חסיד שבדור, Yelchou et son chassid Shabador. Et le rabbi explique pourquoi, pour quelle raison il faut demander la bracha du rabbi. Encore une fois, je dis seulement la référence du côté Sichot Chelek Yud Gimel, page 49, puisque le temps il est court. Il y a encore des choses qu'il ne faut pas faire. J'utilise l'occasion. Et pour dire à nos chers chassidim que nous, en tant que chassidim, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, maintenant, ça arrive souvent avec le WhatsApp et pas d'autres moyens de communication. On dit voilà, ce Erev Shabbat, tel Rav, tel Gadol, de tel endroit, d'Israël, de notre endroit, on dit il faut ajouter encore une bougie. C'est très bien. Que tout le monde qui veut le veut, le fasse. Nous, Chassidei Chabad, on fait uniquement ce que le Rebbe nous a dit. On ne fait pas des choses que d'autres nous disent de faire. Et il y a d'autres choses, on va voir après. Maintenant, il est clair que quand quelqu'un a besoin de Yeshua, alors la première chose à faire, c'est la tefila. Ça, tout le monde le sait, c'est la tefila. On prie pour lui. En plus de demander au rabbi de prier, en plus soi-même aussi pour lui. Prier, c'est avoir dans la pensée pendant Refaïnou, par exemple, ou s'il a besoin de parnassa dans Barech Aleinu. Et aussi, bien sûr, dire le Tehilim. Dernièrement, on a fait un minhag, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est pas, enfin, c'est un bon minhag peut-être. De dire le chapitre de l'année de la personne pour laquelle on prie, par exemple, ici on a fait le chapitre même, très bien. Alors ça, c'est la tefila. Alors ça va de soi. C'est quelque chose que tout le monde fait et dans tous les milieux, pas seulement dans Chabad, mais aussi dans Chabad. Mais il y a des choses que nous, en tant que chassidé Chabad, on aurait dû faire que c'est pas connu, on va dire pas tellement connu. Eh bien, dans le Fabrengen du Yotet Kislev, Tafshin Khaftet, quelques jours après le 40e anniversaire du mariage du Rabbi,
Le rabbi a dit qu'il demande, bon, le rabbi l'a dit d'une manière très nuancée, il n'a pas fait de ça une takana, mais une proposition, plus qu'une proposition, que chaque fois qu'on souhaite quelque chose à qui que ce soit, qu'on associe cela avec deux choses, avec le don de la tzedaka et avec l'étude de la Torah. Et je dois dire, même sans la sikha du rabbi, quand on va à la shul, vous savez, Shabbat, dans plusieurs shul, il y a des gens qui viennent avec une liste de Shabbat, à dire foi, avec une liste de 5 personnes ou plus. Mais dans le Shabbat, le Moussachile, malgré que nous, on ne le dit pas, on dit uniquement Shabbat et Mélisok, Bavou, Shenadrut Zrakabado. Il est intéressant de noter que dans la Sikha du Yotet Yislev Tafshin Khaftet, le rabbi change le Moussach, il dit Bavou, Shebli Neder, et un Zrakabado. Pas Bavou, Shenadar, Bavou, Shebli Neder. Ensuite, on va à la maison, c'est Shabbat, on ne peut pas donner la tzedaka, et ensuite, on oublie qu'on a demandé à faire un Mishaber devant un Sefer Torah, ou plusieurs Sefer Torah, et on oublie qu'on a promis de donner la tzedaka, ne serait-ce que de 10 centimes, pour tous ensemble, ou pour chaque patient. En tout cas, le Rebbe dans cette sikha dit que chaque fois qu'on demande quelque chose pour quelqu'un, donner la tzedaka pour lui et aussi étudier la Torah pour lui. Et comme on fait maintenant ce soir, c'est un bon chidouche qu'il faut apprendre que quand on prie pour quelqu'un, aussi étudier la Torah pour lui, il y a une chidouche Torah pour la refouah shleima, arechut yamim v'shanim tovot, de Chaim Mordechai ben Rivka, b'toch shaar kol Yisrael. Et je vais vous dire comment en Yakatan j'ai l'habitude de faire quand je prie pour quelqu'un. Alors, dans l'occasion la plus récente, que la première occasion qui se présente, je dis par cœur, par exemple, la Mishnah de Elul Dvarim, de la fin de Birkat HaShachar, pour faire les mots de la Torah, l'Israut pour cette personne. Et le rabbi souligne dans cette sikha une fois, et encore une fois, plusieurs fois, que non seulement les hommes, les femmes aussi, vont donner la tzedaka et étudier la Torah, les femmes que ce soit à la chota tzrichot ou des choses de plimiut à Torah, parce qu'elles sont beaucoup à voir d'étudier plimiut à Torah, pour la refoua, etc. Pour celui, le rabbi dit par exemple, on vient à un mariage, on souhaite au chatan, à la kala, au mechutanim. Alors, à l'instant, alors, c'est vrai que maintenant, dans la plupart des khatunot, il y a des pièces et des coupons de zakat sur les tables. Mais il n'y a pas de livret Torah sur les tables. Alors, le Rebbe dit, chaque fois qu'on souhaite quoi que ce soit du bien à quelqu'un, l'associer avec l'étude de la Torah et le don de la tzedaka. Mais, voilà, le miracle s'est propagé que on fait des mitzvot pour des autres. Ni Torah, ni tzedaka, mais des mitzvot. Par exemple, un couple qui a besoin d'enfants, on fait pour ce couple tel nombre d'afashat chala. Et là, qui n'a jamais entendu du rami, mais bon, afashat chala, c'est toujours bien. Et maintenant, je vais entamer la discussion, malgré que je ne pourrai pas la terminer dans le cadre du temps qui m'a été octroyé, je demanderai à vous tous de regarder et de chercher. Est-ce que par d'autres mitzvot aussi, en plus de la tzedaka, on peut la faire pour quelqu'un d'autre, disons par exemple pour un malade? Oui ou non? Alors d'abord, une chose est claire. Ce n'est pas le Derech HaMelech. C'est-à-dire, c'est une bonne chose. Le Rebbe a demandé Torah et Tzedaka. Maintenant, on va ajouter d'autres choses, des shvilim, des petits chemins. Très bien. Maintenant, j'ai cherché, j'ai trouvé une preuve. Dans l'écouté Sichot Chilek Vav, page 271,
dans laquelle le Rebbe dit assez clairement qu'en fait, chaque mitzvah qu'on fait, on peut la dédier à un autre. Je vais vous dire pourquoi j'ai un doute. Parce que dans la Sikha du Yotet Kislev Tafshir Khaftet, le Rabbi amène des preuves et d'explications pourquoi on pourrait donner le zchout de la tzedaka qu'on fait à quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas simple. Mais regardez bien dans la Sikha que je viens de dire, Chelek Vav, page 271, là-bas, il est clair que oui. Mais ce qui se dégage de tout ce qu'on vient de dire, et je vais être bien dans les limites du temps qui m'a été octroyé de 10 minutes. 10 minutes, c'est Mispar HaShalem. 10, c'est Mispar HaShalem, quand on le pensait. Donc, le Derech HaMelech, c'est Tfila, bien sûr, et avec la Tfila, Torah et Tzedaka. Maintenant, d'autres mitzvot, d'autres bonnes achlatot qu'on veut faire, très bien. Il y a toujours bien de faire d'autres achlatot, mais ce n'est pas l'essentiel. Comme j'ai dit, il y a une preuve de la Sikha du Rabbi qu'on peut faire des mitzvot pour quelqu'un d'autre. Toutes les mitzvot, pas seulement la mitzvot de Tzedaka. Mais, disons, ce n'est pas l'autoroute. C'est des chemins d'à côté, etc., etc. En tout cas, quoi qu'il en soit, tous ceux qui ont voulu faire de bonnes achlatot qu'ils les fassent, et on peut compter sur la preuve que j'ai amenée de Chelek Vav. Et l'essentiel, c'est d'avoir un esprit comme Makom, d'ici ou d'un autre, par des mérites, sans mérite. On demande à Hachem, on les pleure, que Chai montre bien Rivke soit Maïr Yom et Bishon et Teves Banim. Homme et Kéhi Hiratsen. Bon, voilà. Un grand Yishar Kiar au Rav Avraham Bor Pesner et un grand Yishar Kiar pour être resté dans le temps. Nous allons accueillir maintenant le Rav Meir Simcha Kalmenson. Alors, le Rav Meir Simcha Kalmenson était présent lors de la première réunion que nous avons fait au Rabbinat, qui a été déclenchée par Yossi Attal. Alors, dans cette réunion, je vais la rappeler brièvement, il y a eu des bonnes décisions qui ont été prises pour la guérison de Chaim Mordechai. Un psak din a été également rédigé par Rav Zerbi, Rav Laloum, ainsi que Rav Tartel. Une lettre a été également envoyée au Rabbi afin d'être Mehorer Rachmei Shamaim. Je me permets aussi de saluer également, puisqu'ils étaient aussi présents lors de cette première réunion, Rabbi Yosef Rabba et Rav Mendi Attal étaient également présents de cette réunion et ils participent, je pense, également ce soir avec nous sans vouloir intervenir. Rav Kalmenson Bechavod pour partager avec nous le sujet le mois d'Eloul et le mois de miséricorde. Bechavod. Bonsoir à tous. Avec le Télim et les divrei Torah qu'on a entendu, la Tzedaka et la Chatot, celle que vient de mentionner pour la réunion qu'on avait fait, Baruch Hashem, pour Chaim Mordechai Ben Rivka. C'est sûr que là-haut, tout est inscrit et tout est scellé. Nous sommes maintenant l'entrée de Rosh Chodesh. Elul, personnellement, je suis déjà bien loin dans le Rosh Chodesh. Je marie mon fils à Kazakhstan, donc on est déjà à minuit 55. Donc on a déjà entamé les deux jours de Rosh Chodesh. Que le mois de Elul, comme le Rabbi nous ramène avec les Rachet Tevot de ce mois-ci, qui sont les trois piliers de la Torah. Torah, Avoda, Gmut, Hasadim, comme la Rachet Tevot, qui figure dans les lettres de mois d'Elul. Le Rabbi ramène en commençant par celui de la Teshuvah. Et tout ça, ça nous amène à finalement au cinquième Rachet Tevot, celle de la Géoula. Et cette Géoula, elle est liée personnellement au Chaim Mordechai Ben Rivka et collectivement, puisque c'est notre frère Shliach, un âge. Quand on fait le chapitre même, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. Comment est-ce possible qu'un shliach aurait besoin de notre filote pour sa guérison, puisque lui, il est en train de faire la guérison pour les autres? Ça, c'est parmi les Rachet Tevot de Elul. Ish le Re'ehu. Tous les nyan, c'est de donner, transmettre, donner notre vie pour les autres. C'est ce qu'on demande aussi à Kadosh Baruch Hu. On est maintenant le mois d'Elul et c'est le mois du bilan. Comme l'a dit cette semaine, le commerçant
s'arrête de temps en temps pour faire un bilan et voir qu'est-ce qu'il y a d'améliorer, qu'est-ce qu'il y a à changer et qu'est-ce qu'il y a à retenir. Et ça rejoint au Yom qu'on a vu hier. De la même manière que pour une maladie physique, il y a deux manières. Celle de renforcer les membres bonnes et celle de guérir les membres qui sont en défaut. C'est exactement pareil pour la guérison spirituelle. Et on sait que la guérison spirituelle est liée avec la guérison matérielle et vice-versa. Quand on renforce dans le matériel, on reçoit dans le spirituel, comme le mot du Mittel Rebbe, un petit trou dans le corps, ça fait un grand trou dans l'Neshama. Donc, vice-versa, si on renforce dans la Torah, c'est sûr que ça amènera à une guérison dans le gouf. Puisqu'on est Meuchad maintenant, à travers les moyens de la technologie, comme le Rabbi ramène que ça a été créé pour Torah et Mitzvot. Ça a été créé uniquement pour l'honneur de Kodesh Baruch Hu. Donc aujourd'hui, quand on utilise ces moyens pour se renforcer et pour implorer à Kodesh Baruch Hu d'aller tzoroseinu, un jeune shaliach en pleine extension qui va dans une ville éloignée pour amener là-bas Torah et Mitzvot, forcément, la ville lui doit et la guérison lui doit. Donc on peut souhaiter que de prendre sur nous le temps de participer à des vrais Torah pour sa refoua, ça nous donnera la force de s'attacher dans ces rachetevots du mois d'Elul, que ce soit la Torah, que ce soit la Voda, que ce soit Gmilut Hasadim, en précédant pour la Teshuvah. La Teshuvah, comme on voit dans le Tanya, ce n'est pas forcément pour quelque chose qui a été fait, commis d'une erreur. La Teshuvah, elle est ouverte pour tout le monde, puisque ça, c'est une des choses que Mashiach va nous emmener. Que Mashiach va nous emmener à faire Teshuvah, ça veut dire retourner vers nos sources, retourner vers d'où on vient. Et ça, c'est ce qu'on demande à Kodesh Baruch Hu, de nous donner la force de prendre le temps tous les jours avant de faire Kriyat Shema Shamitet, savoir qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire demain. Et aujourd'hui, on se réunit pour notre frère, pour un shliach. C'est sûr que le demain va être différent. Déjà parce qu'on entendra Bezat Hashem une amélioration qui va aller de soi, qui va continuer parce qu'on a pris sur nous. Et ce qu'Hachem il demande, il le fait. Hachem lui demande de rajouter pour pouvoir bénéficier. C'est sûr que le Bezrat Hashem lui fera de même, qu'il rajoutera de la santé pour Chaim Mordechai ben Rivka et qu'on pourra dire déjà autre Hachem qu'un Aftabi. Je te remercie à Kodesh Baruch Hu pour tes instants et on demande que ce soit Tikit Miyad Mamesh, Chaim Chaim et Bezrat Hashem qu'on soit réunis dans la joie et dans la simcha. Chaim Lorocha. Les 5 minutes qui ont été appelées. Un grand Yisharkeh à Rav Kalmenson, un grand Mazal Tov pour le mariage de son fils. Que toutes ces brachot se réalisent. Amen. Nous avons la chance maintenant, j'espère qu'il est sur la ligne. Est-ce que Rav Crémizier est arrivé? Bon, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore... Ah, bah ça y est. On a le mérite d'accueillir le Rav Crémizier d'aller à Montréal. Il nous a fait plaisir et l'honneur de participer avec nous ce soir à ce Kibbutz Torah. Bechavod, Rav Crémizier. Bonsoir. C'est d'abord un grand plaisir pour moi de participer à un Kibbutz Torah de façon générale et encore plus quand ça concerne la santé de le fils d'un ami, Rabbi Yitzhak Posner, que ce qui nous soit Refouah Shlema et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, que Bet Hashem, on puisse Bet Hashem être mitrazek et le sroud de la Torah et Tzraim la Machazekimba donner une Refouah Shlema et que des bonnes nouvelles dans cette famille. Le temps m'est compté. Je voudrais dire quelques mots de Chizouk. J'ai vu donc la parasha de la haftara de cette semaine.
on sait qu'il y a marqué dans l'Aftara, on ramène le Yeshaya, ou Yeshaya, que les bénis Israël disaient à Kadosh Baruch Hu, Uri, Uri, qui va orer. Les Israël disaient à Kadosh Baruch Hu, réveille-toi, secoue-toi, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on a malheureusement traversé la galoute et qu'on n'entend toujours pas de bonnes nouvelles provenant d'Akadosh Baruch Hu, de cette galoute qui est tellement, tellement longue. Et là, on sait qu'on a le passage qui a marqué « Ori, Ori, Nifshi Oz, Roi Hashem, Ori, Ori, Kimekodem ». Et le peuple d'Israël dit à Akadosh Baruch Hu, comment c'est possible que tu as délivré le Mitzrayim, tu as donné la Torah, tu as fait tellement de miracles, alors que nous, dans cette galoute qui est tellement longue, malheureusement, on n'assiste pas encore à une Geoula, on n'a pas encore assisté à la Geoula Shlema qu'on attend d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit « Anochi, Anochi, Menachem Chem ». Mais moi, il dit à Kadosh Baruch Hu, je suis toujours le même. Je n'ai jamais changé. Mais c'est vous qui avez attiré Menosh Yamut. Vous avez peur de l'être humain. Vous avez peur des pays, des gens qui sont influents. Vous avez oublié que Noté Shamaim Baaretz, que c'est moi qui a créé le ciel et la terre. Vatifra Tamid Kalayom Pnechama Tamatzik. Et vous avez eu peur, vous avez peur tous les jours. Et puis, Nechamat Amatzik, ils expliquent les Rishonim, c'est que vous avez peur. Non seulement vous avez peur des nations, mais vous avez peur même des idées, même des projets des nations qui ne sont pas encore réels, qui ne sont pas encore concrets. Dès qu'il y a une idée négative qui est contre vous, alors le peuple d'Israël, vous avez peur. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, mais bien sûr que vous êtes pour moi comme le ciel et la terre, etc. Donc, Kadosh Baruch Hu, il répond, quelle est la raison essentielle pourquoi on n'a pas malheureusement encore de Geoula? C'est parce que vous, le peuple d'Israël, vous avez peur. Vous êtes des gens peureux. Là, la question qui se pose, c'est-à-dire quoi on est des gens peureux? On est un peuple qui a traversé les pires souffrances du monde. Nous avons traversé les pires pogroms. Encore aujourd'hui, nous sommes malheureusement attaqués de tous les côtés. Le peuple d'Israël est toujours poursuivi. Et là, Kadosh Baruch Hu nous reproche qu'on a peur. Mais heureusement qu'on a peur. Si on avait peur, on ne serait pas là. Et à part ça, on voit que dans la tefila, elle a été entièrement conçue sur des peurs. Réna Hashem Bonin, que Bokhu voit notre tsar. Et Tsemar David Avdecharam et Tatsimar, que Bokhu voit qu'on a besoin d'aller choua d'Akadosh Bokhu. La minime et la machinime altitikva, qu'on demande à Kadosh Bokhu de ne pas donner suite à toutes les délations qu'on puisse avoir du peuple d'Israël ou pas du peuple d'Israël. Donc comment Kadosh Bokhu peut nous reprocher d'avoir peur? Comment Kadosh Baruch Hu peut nous reprocher que c'est nous qu'on est quelque part pas des Balémouna? Le Rambam dit bien que sur toute sa route que le peuple d'Israël va traverser, on doit prier à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est de quoi quand Kadosh Baruch Hu dit vous avez peur? Bien sûr qu'on a peur. Si on n'a pas peur, on ne prie pas. Donc qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu nous reproche pour qu'on puisse dire qu'on n'est pas à la hauteur de la Géoula? Il faut savoir que le Midrash Rabba a dit que quand il y a marqué Batishka Hashem, aussi Shamaim Varet, quand Kadosh Baruch Hu dit, est-ce que Kadosh Baruch Hu va oublier alors que c'est moi qui ai créé le ciel et la terre? Le Midrash Rabba dit, quand il a été, Kadosh Baruch Hu leur dit, ce que je vous reproche, c'est que vous avez été mitiaesh mina geoula. Ça veut dire que c'est vrai que vous voulez la geoula. Ça veut qu'on prie tous les jours d'avoir une geoula mitite. Mais on est mitiaesh. Ça veut dire que maintenant, quelque part, on dit ça va venir, mais on n'y croit plus vraiment que ça va arriver. Comment c'est possible de dire que le peuple d'Israël en est mitiaesh mina geoula? Et le Midrash Rabba a dit qu'en vérité, toutes les tsaras du peuple d'Israël, en commençant par la tsara de Haman, elle est venue pour une chose. Elle est venue parce que le peuple d'Israël, ils ont été mitiaesh mina geoula. Ça veut dire que quand Haman il a décrété de détruire le peuple d'Israël, quelque part, il s'est résigné. On ne peut rien faire, c'est fini. Haman, il a décidé. Haman, il a payé à Achashverosh. Donc il dit le Midrash Amar Rabbi Shmuel bar Nachman Ruhi Mayu Israël chez Loli Gael Mitzarat Haman. On aurait dû ne pas être délivré de la tzara de Haman. Pourquoi? Chez Nitiash ou Minageoula, parce que le peuple d'Israël, ils ont été mitiaesh de la Emouna. Ils ont baissé les bras devant la Geoula. Il voulait chez Skimul Dat Yaakov Yem, si ce n'était pas que Yaakov Avinu, c'est-à-dire que Mordechai qui a repris la force de Yaakov Avinu en disant au peuple d'Israël, il y a encore un espoir. On peut continuer, on peut évoluer. Donc il faudrait comprendre, c'est bien quoi Nitiashu Mina Geoula? On est aussi un peuple, on nous reproche d'avoir peur, on nous reproche d'être Nitiashu Mina Geoula.
on nous reproche de ne pas prier sincèrement à Kadosh Baruch Hu avec une croyance qui est incroyable. Et même ce qu'on nous reproche d'avoir peur, comme on a expliqué, ça veut dire quoi ? Rishonim dit, c'est quoi la peur que nous avons ? C'est qu'en réalité, on anticipe les idées de nos ennemis avant qu'ils soient concrets. Mais ça veut dire quoi ? Pour expliquer rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut savoir qu'il y a marqué qu'il y a trois choses qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné Béissouri. La Gemara dit, Akadosh Baruch Hu, c'est quoi ? Il y a marqué que Eret Israël, la Torah, voilà Mabah. Il y a trois choses, la Gemara a dit plusieurs fois, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Mais malgré ça, il faut payer un prix. C'est Eret Israël, c'est la Torah, et c'est Olam Haba. Ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu nous fait un cadeau, et qu'à côté de ça, Akadosh Baruch Hu nous demande des souffrances, il nous demande des souris. On explique qu'en vérité, comme quelqu'un, il a quelque chose, mais qu'il ne le mérite pas, alors la propriété que nous avons sur la chose n'est pas réelle. Si quelqu'un lui donne 1 million d'euros, mais qu'il n'a pas travaillé pour les avoir. Un héritier, par exemple, qui hérite de son père. Même si, en vérité, on a la chose, mais étant donné qu'on n'a pas travaillé pour l'avoir, on n'a pas vraiment une relation avec la chose. Quand un homme, il a travaillé, il a fait attention, et qu'il a eu, il a mérité par le salaire ce qu'il a eu, alors, en vérité, c'est entièrement différent. Ça veut dire que, en vérité, le lien, l'attachement que nous avons avec la chose, ce n'est pas l'attachement d'avoir la chose. C'est l'attachement de mériter ce que nous avons. Eret Israël, il y a énormément de Gdoucha. Mais si le peuple d'Israël n'est pas à la hauteur de mériter Eret Israël, alors malheureusement, on va être un Eret Israël. C'est ce qui se passe de nos jours pour des millions de personnes. Mais on ne va pas apprécier quelle est vraiment la valeur d'Eret Israël. La Torah, on peut faire des cours, on peut faire des conférences, on peut faire des shiurim. Mais tant qu'une personne ne sait pas lui-même décider d'étudier la Torah, tant que la personne ne s'est pas décidé lui-même de comprendre qu'est-ce qu'on lui a donné, il ne va pas apprécier. Par contre, dès qu'une personne va se mettre à étudier, il va comprendre les difficultés. Mais comment ? Alors une petite idée, mais c'est incroyable. Moi, j'ai mis 3 mois pour comprendre quelque chose, et on m'a fait un cours, on m'a donné tellement d'informations. Ça veut dire que l'homme n'est pas capable d'apprécier ce qu'il a tant que lui-même n'a pas fait un effort. Et le Olam Haba, je voudrais ici, encore une fois, malheureusement, être court, ce n'est pas seulement qu'il faut un effort pour l'avoir. C'est que l'Olam Haba est égal au fruit de l'effort. Ça veut dire qu'Olam Haba, on va voir exactement qu'est-ce que l'effort nous a donné. Ça veut dire que l'Olam Haba, c'est en vérité le moment où on va nous donner au détail la raison et le bonheur de l'effort. Si c'est valable dans une relation qu'on a financièrement, c'est également, et c'est encore plus valable, dans une relation que nous avons pour tout ce qui a trait à la Torah. Un homme qu'on va lui donner une madriga qui va être énorme, mais qu'il ne la mérite pas, il ne peut pas l'apprécier. Ben Israël, quand ils ont traversé la mer, a dit la Gemara que les Ben Israël, ils étaient à la madriga, ils ont vu beaucoup plus que même ce qu'il a vu Yechizkel Ben Vuzi, le plus grand prophète du monde. Les Ben Israël ont vu Zekeli Ben Vuzi, ils ont vu Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce qu'ils ont été à la hauteur de ce qu'ils ont vu ? Non. Quelques jours après, le peuple d'Israël, ils se sont comportés pas à la hauteur. Ça veut dire que la relation que nous avons avec ce qui nous revient, c'est pas seulement le fait de l'avoir, mais c'est le fait de le mériter. Le mérite vient à travers l'effort. Et plus l'effort est important, plus en vérité on est attaché aux choses. Un homme, il est attaché à sa femme, parce qu'en vérité, quelque part, il a fait beaucoup d'efforts pour son Shalom Bayit. Mais si un homme il est avec une femme par plaisir, il n'aura pas d'attachement. Les enfants, nous les aimons parce que nous investissons, parce que c'est le fruit de beaucoup d'investissements. On travaille pour eux, on vit pour eux, on se soucie pour eux. Donc plus on s'investit, plus on a un attachement. Mais si on nous donne un enfant, on dit occupe-toi de lui, quand on finit les cours de classe, on n'a pas autant d'attachement. Rapidement, on raconte une histoire qu'il y avait une fois, un roi qui avait un premier ministre. Et il avait décidé de prendre un gérant juif pour s'occuper de ses affaires. Mais bien sûr, il ne pouvait pas mettre aux yeux des gens le juif responsable de toutes ses affaires. Donc, il avait pris le premier ministre et le juif gérait toutes les affaires dans le silence. Et bien sûr, le premier ministre était très jaloux des compétences du juif. Chaque fois qu'il pouvait, il rabaissait le juif, mais il était limité parce que le roi le protégeait. Et un jour, le roi est parti pour l'hiver passer quelques mois au soleil. Et le juif était resté avec ce premier ministre. Et ce premier ministre
lui a fait vivre toutes les plus grandes souffrances du monde. Il a humilié, il a écrasé, il faisait souffrir, il ne nourrissait pas. Et le juif, malheureusement, supportait. Et ça a duré pendant des mois où sa femme, ses enfants, tout le monde a été, on va dire, ont souffert. Et un jour, enfin, le roi est revenu. Et là, il a vu que le juif n'était pas heureux. Il ne savait pas, est-ce qu'il allait voir le roi lui raconter tout ce qui s'est passé. Il risquait peut-être le renvoi. Ou bien, il se taisait, mais il n'arrivait pas à continuer à vivre avec ce qu'il avait supporté. Alors, il est parti voir le roi. Et sa femme l'accompagnait devant la porte de trône. Il a resté très longtemps. Et en sortant, il est sorti avec un visage, on va dire, où il n'y avait aucune expression. Mais il avait des sacs lourds comme ça à porter tout seul. Alors sa femme s'est dit, alors il t'a renvoyé et tu sors comme ça avec tes affaires, ça veut dire que c'est fini. Il lui a dit, non, je vais t'expliquer. Le roi, il m'a écouté. Il m'a dit, regarde, je ne peux rien faire parce que le Premier ministre, malheureusement, il a le monde, il a le pays avec lui. Mais pour chaque souffrance, tu vas me raconter que tu as eu, je vais te donner une pièce d'or. Et on a replié un sac, et un deuxième sac, et un troisième sac. Et voilà, maintenant je sors chargé, mais le roi il m'a demandé de ne rien paraître, de ne rien montrer, juste de supporter. Mais chaque souffrance que j'ai eue, le roi il m'a dit, je me rends compte maintenant combien tu es indispensable et combien tu es attaché à moi. Ça veut dire que l'effort est en vérité, quand Kadosh Baruch Hu dit, oh, je vous ai donné une souffrance, ce n'est pas une souffrance. C'est que la relation que nous avons avec les choses, elle doit passer parfois par des souffrances pour que nous puissions nous attacher à la chose. Et cet attachement, c'est en vérité le mérite, et c'est en vérité l'acquisition que nous avons des choses. À Kadosh Baruch Hu, il nous a envoyé en galoute. La galoute, pour certains, c'est en vérité le fait que Kadosh Baruch Hu s'est énervé et qu'il nous a renvoyé. Quand Rabbi Akiva, il a vu que sur l'endroit du Beit HaMikdash, il y avait des renards, il a souri. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que quelque part, même si on était en difficulté, mais la galoute, c'est jamais un abandon d'Akadosh Baruch Hu. La galoute, c'est en vérité où Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de se découvrir et de s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que dans le Navi dit au peuple d'Israël, vous priez. Mais vous priez quoi ? Parce qu'en vérité, vous estimez que vous avez beaucoup souffert. Vous avez peur de tout. Ça veut dire quoi, vous avez peur ? C'est pas que vous avez peur parce que vous avez souffert. C'est qu'en vérité, vous êtes mitya'esh. Minageoula. Mitiaesh Minageoula, ça veut dire quelque part, on croit que les épreuves d'Akadosh Baruch Hu ne sont plus des épreuves constructives, mais sont des épreuves parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a tourné la tête. Et ça, c'est la pire des choses. Parce que si Chas V'Shalom, on imagine quelque part qu'Akadosh Baruch Hu continue à faire marcher le monde et qu'on n'est plus dans son projet, alors c'est l'abandon de Akadosh Baruch Hu pour le peuple d'Israël. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu dit Anouchi, Anouchi, moi je suis là, je suis présent. Mais c'est vous qui malheureusement croyez que dans les moments difficiles, je n'existe pas. C'est vous qui croyez que je vous exclus de mes projets. Mais pour moi, vous êtes au moins aussi important que le soleil, au moins aussi important que la terre. Il est évident que ce qui nous, s'il était fait pour un Avrer que je connais, qui est un homme extraordinaire, et surtout le fils d'un homme qu'on sait comment il s'est battu pour avoir des écoles dans Paris. Et je voudrais juste vous dire, la Gemara dans Tanit, qu'on connaît tous, qu'une fois un homme, il a vendu une source pour pouvoir abreuver le peuple d'Israël pendant leur Aliyah de Régel. Et sa fille, elle s'est noyée. Là, les Chachamim, ils ont dit, c'est pas possible qu'un homme qui a donné tellement, qui s'est sacrifié pour donner à boire pour le peuple d'Israël, que sa fille, elle se noie et qu'elle meurt dans une source. C'est pas possible. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a fait un nes, elle a revécu. Donc aujourd'hui, on n'a rien à dire à Kadosh Baruch Hu. Je pense que la famille Pesner, mon ami Rabbi Sefi Yitzhak, il est exemplaire dans ses émounas et que chaque fois qu'on parle avec lui, on sent qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui est toujours avec lui dans n'importe quel Nisayon et dans n'importe quel Issou. Mais nous, on demande à Kadosh Baruch Hu que les hommes qui ont tellement œuvré pour le Chinour, pour les enfants des autres, que Kadosh Baruch Hu y fasse, Be'at Hashem, je demande que Bishrut Tzadikim, que Be'at Hashem, Ani Tefila. Il y a marqué Tefila le Ani. Pourquoi on dit Tefila le Ani ? Parce que quand un pauvre il prie, il sait exactement qu'est-ce qu'il faut prier. Il prie pour manger, il prie pour boire, il ne prie pas pour quelque chose qui est superflu. Quand un homme s'occupe du chinour qui a voué sa vie à l'éducation des enfants, il sait exactement qu'est-ce que c'est un enfant. Et je veux dire, quand Dieu beaucoup regarde la tefila d'un père, nous sommes tous des pères, nous n'avons pas tous le mérite d'avoir œuvré autant pour le chinour, mais ce n'est pas possible. C'est difficile pour nous, de l'Emouna, de voir qu'un homme qui a tellement œuvré pour le chinour, que ses enfants sont en difficulté. À Kadosh Baruch Hu ne nous doit rien.
Et Akadosh Baruch Hu, il gère le monde comme il veut. Mais parfois, Akadosh Baruch Hu, il sourit à nos requêtes et Akadosh Baruch Hu, il envoie la réponse Hashem. Donc, Béat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il donne à cette famille la réponse Hashem complète pour tous les enfants. Et que Béat Hashem, Bisrout, Bisrout à Torah et surtout Bisrout la Chadout. Je pense que le Kinnous Torah, il est magnifique parce que quand on voit les noms des Rabbanim, on voit la Chadout. Il faut savoir que la marloquette, elle vient parce qu'on pense qu'on est différent. Mais comment on se rend compte qu'on travaille tous pour le même patron, même si on est chacun dans une branche différente, mais en vérité, on a le même patron, et c'est lui qui nous paye, qui nous récompense, donc on comprend qu'en vérité, on est tous liés. Donc, Baruch Hashem, je remercie Rabbi Chaim Atlan de m'avoir invité à parler à ceux qui nous Torah. C'est toujours pour moi un grand plaisir de parler avec la communauté française qui m'est très chère. Et Béat Hashem, que Bisrout, la Torah, Bisrout, on va dire, pas les épreuves, mais Bisrout, tous ces efforts qu'on a fait, qu'ils ont fait pour le Chinour, de tous les enfants de France, que Baruch Hu envoie Refouach Tema, et qu'on déchire cette Xéra, et que Béat Hashem, rapidement, je suis invité à que je sois invité à une Souda Toda pour la Refouach Tema de ce Avrer, entouré de mes amis, Abissé Betzrak Pozner et sa femme, pour qu'on puisse, Béat Hashem, fêter ensemble la venue de la Goula et la venue du Machia rapidement, Béat Hashem. Bessorot Tovot et Kol Tov. Azakou Baruch, Rav Krimizi, merci de votre participation. Vous êtes toujours le bienvenu chez nous. Que toutes ces brachot s'accomplissent. Amen, ve amen. Nous allons donner maintenant la parole à Rav Zerbib. On ne le présente plus aujourd'hui, Rav Zerbib, Baruch Hashem. Il ne m'a pas donné son sujet, mais je sais qu'il a toujours des sujets attrayants. Bechavod, Rav Zerbib. Bonsoir, et Reptor à tout le monde. Vous m'entendez? Parfaitement. Donc, Ashkoyach aux mots tellement chaleureux du Rav Krimizi. On va tâcher de dire quelques mots que ça puisse aider à la refouach Shlema de Chaim Mordechai ben Rivka. Le mois dernier, nous, Baruch Hashem, dans notre communauté, nous sommes beaucoup investis entre Mincha et Maariv, un cours tous les soirs. Les gens venaient demander, réclamer. Et je voulais faire une petite remarque, c'est que dans tous les mosdot, dans toutes les choules, quelquefois le Rav propose des shiurim à telles heures, et malheureusement pas tout le temps les shiurim sont pleins. Tout le monde a de bonnes occupations, surtout quand Mincha et Maariv, c'est l'heure où on s'occupe de sa famille, on est en famille, et donc on était un petit mignon. Eh bien, je voulais dire à Yosef Yitzhak, le papa donc de Chaim Mordechai, que lorsque on a institué ce shiur de Refouach Shlema de son fils, eh bien les shiurim étaient pleins, les gens demandaient. Ça veut dire que, disons le mot, le clan d'Israël a plus de Ahavat Israël que de Ahavat Torah, on va dire comme ça. Donc c'est pour nous c'est une grande chose que tout le monde a ressenti le tsahar de la famille, le tsahar de Mordechai, donc est venu participer à ces shiurim-là. Donc, on va continuer, nous continuons ce soir. Nous ajoutons du Srout à Torah. On sait combien la Torah, elle vient d'un Makom très très haut, elle descend très bas, à l'image de l'eau, comme chacun sait. Et donc, chaque mot que de Torah, c'est un Shem Hashem, c'est un nom divin. Dieu peut changer les xérot. Donc, chaque mot que l'on peut ajouter, l'erfoato Hashlema, eh bien, on espère que dans Hashem sera un impact et que dans le monde matériel, avec nos yeux, on va voir la chose. Avant de dire un petit mot de Torah, je voulais rapporter une histoire. Comme tous les jours, je lis des histoires, c'est des petits vortim comme ça que le rabbi nous a donné, qui sont ramassés, qui sont compilés. C'est l'histoire d'un vieux chassid, Zikna Chassidim, qui, très troublé, a demandé de manière exceptionnelle un petit entretien de quelques minutes au rabbi, parce que le rabbi Rayat, Friedrich Rebel, était venu en rêve et lui dit de le proposer de s'occuper d'une institution de Tzedaka. Et ce Zaken, ce Hassidim, il demande au Rabbi Hayat, il dit, mais je m'occupe déjà de beaucoup d'institutions. Alors, de lui répondre le Rabbi Hayat, il dit, bon, alors, au moins un peu, participer à ce nouveau Mossad, comme ça, de Gnumot Hassidim qui s'ouvre. Et donc,
Je suis très troublé, je demande au Rebbe, je prends quelques minutes de la vie du Rabbi, du temps du Rabbi tellement précieux, pour qu'il me dise est-ce que c'est Dvarim Betelim, ces rêves, c'est Dvarim Betelim ou non. Je dois prendre en compte ce rêve. Le Rabbi le regarde d'un air très très sérieux et lui dit bien sûr, tu dois prendre en compte ce rêve et t'investir encore plus dans ces institutions. Et puis le rêve, les rêves spontanés que le Rabbi a de répondre. Il lui fait un tour et il dit mais tu sais que dans le rêve, il y a toujours un petit peu de Dvarim Betelim. Le chassid demande quoi ? Il dit, compte tendu du Rabbi Rayat, quand même tu vas t'occuper un peu de ce nouveau gmar qui s'ouvre, eh bien, le mot que tu as entendu un peu, c'est Dvarim Betelim. Ça veut dire que tu dois t'investir entièrement dans ce nouveau Mossad. Extraordinaire. Encore une fois, un petit mot de ce qu'on appelle un mot de vie. On raconte souvent aux enfants, aux gendres, à mes enfants, des petits mots comme ça, parce que c'est des mots qui, quelquefois, au-delà d'une étude profonde, Beyoun, dans une souga, nous touchent, parce que dans le quotidien, on voit comment il faut réagir. On a une occasion, Khatob Vechol, attrape et mange. C'est une occasion d'ajouter quelque chose. Le temps, on en a toujours. Et en vérité, on n'en a jamais du temps. Mais celui qui n'a pas de temps, dans son pas de temps, il trouvera du temps pour ajouter encore. Et c'est ça l'enseignement perpétuel que nos rabbis nous amène avec des fois des sirotes, des fois des mamarines, des fois des histoires. Mais le point, il est là. Un peu, c'est de Dvarim Betelim, c'est toujours plus. Voilà le point que je voulais dire déjà au niveau de Gmilut Hassadim, au niveau de cet Avat Israël qu'on doit avoir. Il faut s'investir pour ramasser des fois des grandes sommes, pour aider des nécessiteux, des gens qui ont besoin. Et il y en a, malheureusement, il y en a. C'est comme ça que Dieu a été covéa. Il a été covéa qu'il y a des manques et que celui qui a, il donne à celui qui manque. Et comme chacun sait, le fait de donner, c'est encore, c'est un srout, c'est un immense mérite que l'on a. Et Dieu crée quelquefois le manque d'une personne pour donner la mérite à une autre de pouvoir donner. D'être mis d'amé à Dieu lui-même qui fait et qui écoule au chesed. J'ai un petit mot quand même d'une halakha. On m'a sollicité pour... Je me trouve maintenant dans les montagnes. La première chose que je rappelle à tout le monde, c'est que dès que vous voyez des belles montagnes, c'est une halakha dans Shulchan Aruch, il faut ressentir que « Amechadesh betuvo b'chol yom tanid ma'aseh bereshit » Et moi, bracha faire. « Ba'urata Hashem, elokenu melech ha'olam, oseh ma'aseh bereshit » Les gens, certains sont étonnés, on dit une clé dans Shulchan Aruch, ou le Shulchan Aruch. Ça veut dire que nos chachamim nous disent « Regarde ce qui se passe autour de toi. Regarde comme la nature est belle. » Je donne des comparaisons. Il y a un immeuble construit par l'homme, un génie dans l'architecture. Compare cette architecture avec l'architecture divine. Quand tu vois une montagne, tu vois un nuage, tu vois une couleur, tu vois une nuance dans un nuage. C'est énodomé, rien à voir. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, il y a du divin. Et même les Abdil, même les Goïm, eux-mêmes le sentent. Eux-mêmes, ils sentent cette beauté, cette merveille. Mais c'est divin, c'est des beaux potentiels, c'est extraordinaire. Pourtant, ça peut donner, mamash, larmes aux yeux de voir cette immensité devant nous. Osema, c'est Bereshit, crée la création à chaque instant. Ça, c'est donc le srout d'être dans les montagnes. Et puis, on vous demande aussi, on veut se tremper au Mikvé. On veut se tremper au Mikvé. Il y a des lacs, bien sûr. Je ne rentre pas dans la Shela si c'est kasher. Un lac, c'est kasher pour une femme. Ça dépend de beaucoup de conditions. Mais c'est sûr que pour un bacho, pour un avrer, on peut se tromper dans un lac. Parfois, le lac est très loin. Y aller le matin avant la tefila, il n'y a ni le temps ni la hizanout de l'occasion. Est-ce qu'il y a des moyens de faire un mini-mikvé dans l'endroit où on est ? Alors bien sûr, il faut bien savoir que se tremper dans une baignoire 5 élis, c'est un ustensile. C'est un psoul de horaïta, il n'y a aucune solution dans du baignoire. J'entends souvent le jacuzzi, une nouveauté de notre génération. Une baignoire, c'est sûr et certain que c'est complètement pas saute, ça n'a aucune valeur. Pour une femme, c'est évident, et même pour un homme. Alors, a-t-il le moyen de quand même aller au mikvé ? Chacun sait que Maïm Shaouvim, qui est une condition indispensable pour qu'un mikvé soit cachère, Maïm Shaouvim, c'est pas ça la mikvé. Il faut que ce soit de l'eau qui ne soit pas puisée. De l'eau de puits, avec diverses manières de l'amener dans le bassin. Mais pour un homme, on peut aller dans une piscine. Mais une piscine, pas les piscines modernes,
qui sont des ballons gonflables, qui sont des ustensiles de kélim, mais une piscine qu'on a creusée dans la terre. Peut-on avoir l'équivalent de cette chose-là? Peut-on, disons la chose, on a une grande boîte, on a un grand kéli, est-ce qu'il y a un moyen de cachériser, en faire au moins une piscine? Alors dans cette piscine, il manquera bien entendu l'eau de pluie. Il montrera des notes films, ce qu'on appelle notes films de l'eau de pluie. Mais au moins, avec de l'eau de la ville, de l'eau du robinet, on aura l'équivalent d'une piscine si on arrivait à creuser ce trou. Mais comment creuser un trou? On est dans un hôtel, comment le faire? Alors, sachez que des solutions, il y en a. L'Agma parle de ça, des Mishnayot qui parlent de ça. Il y a deux dinim dans Shulchan Aruch, dans Siman, en fait, qui parle des Mikvarot. Il y a une contradiction entre deux halachot, entre l'halacha qui est mentionnée dans le Saïf Vav, Zayin, pardon, et une qui est mentionnée dans le Saïf même, 40. Lequel? On parle d'un chabit, on parle d'un tonneau. Dans l'halacha Zayin, le Shulchan Aruch rapporte la chia du Rambam qui, pour pouvoir faire un mikvé avec un chabit c'est un ustensile, bien sûr, hein, c'est un tonneau, est-ce qu'on peut faire un mikvé avec cette chose-là? Alors là, il nous ramène Shulchan Aruch, Yosef Karo, il nous rapporte la chita du Rambam qui exige deux conditions. D'abord, dans ce chavit, il faut un trou qui est métaire auto. Vous savez que quand un ustensile, on lui fait un gros trou, donc il n'a plus d'utilisation, son utilisation habituelle, qui est motzerimod, il y a beaucoup de discussions, quelle est la grosseur du trou. Mais imaginez que vous ayez un grand tonneau comme ça, que l'on fasse un trou dans ce tonneau, il perd son chêne de Kelly. Je me promenais dans les montagnes, j'ai vu des abreuvoirs, c'est des troncs d'arbres creusés avec un gros trou par-dessus, une espèce de. Pour pouvoir enlever l'eau. Donc, si vous enlevez le bouchon, ben, ce n'est plus un kéli, tout s'en va. Mais le Rambam exige une deuxième condition. Il faut que cet ustensile, il faut que ce tonneau en question, cet abreuvoir en question, une fois que tu as fait un gros trou qui lui enlève son chêne de kéli, il faut qu'on le fixe. Il faut qu'on le fixe dans la terre. Deux conditions. Donc, si on prend un grand ustensile et puis qu'on en fait un gros trou et qu'on le fixe sur la terre, d'après le Rambam, d'après cet halakha Zayin dans Shulchan Aruch, ça devient un endroit que si on le remplissait avec de l'eau de pluie, c'est un mikvé cachère à 100%. Si on le remplit avec de l'eau du robinet de la ville, eh bien, ça devient un mikvé cachère, au moins pour les hommes. Dans l'Alacha même, très très étonnant, je crois qu'on rapporte à Chita du Roche qui se contente d'une seule condition pour que ce tonneau, ce kéli en question, puisse devenir un mikvé. Il suffit de faire un gros trou dedans. Faire un gros trou dans ce... cet ustensile, et même que l'on n'a pas fixé cet ustensile par terre, nous roubard à la carca, si on remplit cet ustensile, une fois qu'on a fait le gros trou, on lui a enlevé le chêne de Kelly, on lui a enlevé sa définition, son statut de Kelly, puis on le met par terre, on rebouche le trou en question, hein, en mettant du béton par exemple, on pose par terre, on met du béton dans le trou pour pas qu'il y ait des fuites bien sûr, on remplit avec de l'eau de pluie, ça devient un mikvé cachère. Si on le remplit avec de l'eau de la ville, ça devient une piscine. Une piscine, c'est cachère, on va dire, pour les hommes. En tout cas, c'est un niveau de cacheroute. C'est une contradiction dans Shulchan Aruch. Dans la pratique, pour visualiser la chose, je pense que l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'être dans une station où il y avait des chassidim qui avaient quand même confectionné, ils se promènent comme ça chez eux, avec une espèce de grande boîte, avec des morceaux de bois qu'ils introduisent un dans les autres. Ils reconstruisent une grande boîte comme ça, et au fond de cette boîte, il y a un tasseau qui manque. Donc, ce n'est pas un kéli, puisque de toute façon, une fois qu'on a constitué les morceaux de bois les uns avec les autres, on a une espèce de grande marmite comme ça en bois, mais au fond, il manque un immense trou. Donc, on est dans le cas du tuyau en question, du chavit en question. Maintenant, s'ils prennent la précaution de le fixer vraiment à terre, alors on a les deux conditions du Rambam. Voilà, dans la pratique, c'est tout à fait faisable. Alors maintenant, revenons à la contradiction dans le Shulchan Aruch. Est-ce que pour faire ce mikvé, il faut prendre cette grande boîte, la fixer au sol, c'est très difficile techniquement, ou bien on peut se contenter de la poser, puis de s'arranger pour qu'il n'y ait pas de fuite, le gros tronc, si on met du sable, du ciment dedans, et puis c'est deux grandes réponses dans les Gdol Acharonim. Le Char, cité Cohen, il répond que, en fait, le Shulchan Aruch, qui dans le Beit Yosef, bien sûr, apporte la Chita du Rambam, qui exigeait deux conditions,
et la chita du Rosh qui se contente d'une seule condition, en disant que l'Echatra, on exige deux conditions comme le Rambam, mais Bedi Avat, si on s'est trompé dans un tel migvé, à savoir un gros ustensile dans lequel on a fait un trou qui est Metaeroto Midin Keli, on enlève dans le Keli, même s'il ne s'est pas fixé au sol, c'est Kacher Bedi Avat. Voilà comment répond le char. C'est quand même très pratique. En se basant sur le Maran, dans Maran, ça me revient à Moubet, Baraita là-bas qui rapporte le concept suivant. De l'eau de pluie qui passe sur un keli, dès qu'elle passe sur un keli, ça devient même shaourim, ça devient de l'eau qui a été puisée et les psoula pour un migvé. Il y a maintenant se tremper dans ce keli en question. Tvila bekelim, ça c'est un psoul de raka, il y a un pasouk mefourache qui dit que tremper dans un keli, c'est pas soumis. Il nous dit avec Kivegel la chose suivante. L'endroit où le Shulchan Aruch dit qu'il faut absolument les deux conditions, sinon c'est pas cachère, c'est pas cachère pour se tremper dedans. Et l'endroit, le Saïf même, où il dit que c'est cachère, il ne dit pas que c'est cachère au point qu'on puisse se tremper dedans. Il dit que c'est cachère au niveau que si l'eau elle passe par-dessus, elle ne s'appelle pas Shéouvim. On est Mekil, on fait la différence entre la mitzvah de Tvila sur laquelle on est plus marmir. On exige deux conditions, à savoir faire un gros trou pour enlever le chef de Kéli et ensuite le fixer. Par contre, pour être possède de l'eau de pluie qui passe sur dans ce chavit-là, hein, alors il faut, pour être possède, il faut absolument qu'il manque les deux conditions. Mais s'il y a une seule condition, à savoir qu'on a fait un gros trou, c'est déjà caché. Et là, comme il n'a pas de On va tâcher d'être clair. Le Nakamina pour nous, c'est que si on arrive, et c'est tout à fait possible, hein, il faudrait qu'une personne ait un petit peu des mains de bricoleur, il arrive à prendre des tasseaux, des morceaux de bois de 10 cm, il arrive à les imbriquer les uns dans les autres, il fait une grande boîte. Et au fond, il laisse 10 cm de vide. Ce qui fait ça en aucune manière 5 Kelly, pour les remettre dedans, parce que de toute façon, il y a un gros trou de 10 cm sur toute la longueur de cette boîte. Si on arrivait à fixer cette boîte dans le sol, le sous-sol d'un hôtel par exemple, ou quelquefois à l'extérieur, ça c'est plus compliqué déjà, si on arrivait à le fixer avec, dans le béton, c'est tout à fait possible, quelquefois c'est tout à fait envisageable, une fois qu'on l'a fixé, on bouche autre en question avec du ciment, et on a répondu aux deux conditions du Rambam, de la halakha zain, du siman vesh. Et donc on est en présence maintenant d'un arborem, c'est comme si on avait creusé un trou dans la terre. Donc on a un grand keli, un grand tonneau reconstitué avec des morceaux de bois. Et puis grâce au trou et à la fixation, il suffit de le remplir. Alors si on a le mérite de pouvoir amener, avec les méthodes qu'il faudra déterminer bien sûr, de l'eau de pluie, on le remplit, alors c'est un vrai milieu cachère, même pour les lâcher. Par contre, si on ne peut n'y réunir que de l'eau de la ville, de l'eau du robinet, alors là ça sera une piscine, mais bon c'est toujours bien une piscine. Ça aide pour Tvila Tedra, ça aide pour autre chose. Et pour la Tara du matin avant la Tvila, ça peut aider. Et ça évite, parfois, on est très très loin des lacs. Les lacs sont très très froids, c'est une chose. Si on veut aller à 6h, 6h30 du matin, avant la Tvila, c'est un très gros effort. Et puis le fond est souvent vaseux. Ce n'est pas du tout évident. Donc, ça serait une moyen d'avoir, comme ça, dans des endroits un peu isolés, avoir un milieu. Donc, pour en revenir, que ces petits mots d'autorat fassent que notre ami Mordechai, j'avais tout appelé Mordechai, sur qui je voulais rappeler que nous avons eu le mérite, lorsqu'il était Bachour, il a passé plusieurs mois au Kollel, notre Kollel, il a appris avec nous, et là j'ai vu l'intérêt qu'il portait à l'étude. Ce n'était pas facile pour lui, il avait un petit handicap, il se mêlait avec les autres, discutait avec les autres, il posait des questions. Donc j'ai eu l'occasion de le fréquenter comme un rave devant son Talmid. J'ai eu l'occasion d'apprécier ses midot, sa gentillesse, sa bat Israël. Et il avait laissé un impact sur les Abrechim, il discute avec chacun. Quand j'avais besoin d'une personne qui avait besoin d'aide, il répondait toujours présent. Et cette éducation qu'il a eue, c'est l'éducation qu'il a eue de ses parents, des Mechanchim, que toute leur vie, comme on l'a dit tout à l'heure, consacrée à donner aux autres, à construire au mieux qu'on peut, de s'investir, avoir des insomnies sur cela. Ce qu'on sait, comme le Rabbi nous l'a dit, c'est le moyen
d'amener maintenant Mashiach, à savoir de faire en sorte de proposer à l'ensemble du clan d'Israël des mosdo, des endroits où ils peuvent étudier. Mais ce n'est pas évident. Pas tout le monde n'a ni l'occasion, ni la culture pour s'investir entièrement à la yeshiva, Yomam Valaila. Mais par contre, mais dans des mosdot où il y a une grande, grande partie où on leur enseigne la Yirat Shamaim, la peur d'Hachem, la crainte d'Hachem, la proximité d'Hachem, au Hachem, ces dernières années, ça s'est développé, mais il y a encore des manques. Et nous savons que combien notre ami Laurent Pistrac, Joseph Pistrac s'est investi dans cela. Quand il a fait sa cinquième institution, je lui ai fait la blague traditionnelle, je l'ai dit en tant que Tunisien, tu as fait ta cinquième institution, j'espère que tu en feras 2 x 5, ça fait 10, que Dieu lui donne les kohot de continuer et que tout cet investissement dans, d'abord, il vient d'Avat Israël, de faire des mosdot où on enseigne la Torah, et puis ça Avat la Torah aussi. Dès qu'il a l'occasion, j'ai eu l'occasion aussi, je ne sais pas, il y a quelques années, dans un souda chuchi, d'entendre le papa se réciter un mahamar. J'étais impressionné comment un Askan complètement investi dans ces mosdot pouvait apprendre par cœur et avec beaucoup, beaucoup d'aisance un mahamar très long. Shkoyors, un grand bravo que tu puisses trouver dans tout tes asakim, dans ta askanout, encore du temps pour étudier Torah, montrer l'exemple à tes enfants qu'un shliach, il doit avoir à gauche un rambam, à droite, les dossiers de construction pour l'avenir. Et on espère que toutes ces choses-là que les parents font, le papa, la maman, les élèves, on sera tous là, à ses côtés, pour voir très bientôt que Dieu va changer la xéra, il va casser cette xéra. Et comment ? Vous connaissez le pshat de Admor Zaken, qui menace Hachem, que Adem vous met à l'épreuve la date. On a l'habitude, comme ça c'est marqué dans les shonim, Dieu nous met la preuve pour savoir. Admor Zaken, dans plusieurs endroits dans l'écouté Torah, pose la question, la date, ça manque quelque chose. Hachem, kol yachol, il sait tout. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de contradiction entre la connaissance de l'avenir d'Hachem et le libre arbitre. On a le libre arbitre, mais Dieu sait ce que l'on va choisir. Un sujet connu, un sujet philosophique, Rambam, Ravad, tout le monde connaît. Donc, Dieu nous met à l'épreuve la date pour que lui sache si on va surmonter l'épreuve ou pas. Ma pitom. Dans Zaken, dans son chat, plusieurs endroits, j'ai vu, la date, c'est pour inculquer en nous le Nisayon, l'épreuve. C'est pour inculquer à nous la da'at, le da'at et Hachem. Parce que c'est quelque chose qui est très, très paradoxal, mais toute personne qui est passée par cette étape-là, d'avoir eu une épreuve, d'avoir surmonté l'épreuve, il ressent plus à Elohim. C'est comme ça. Comme ça que Dieu a fixé les paramètres du monde. Qui menace Hachem, Dieu te met à l'épreuve pour que tu sois margish Hachem. Da'at, lashon, argasha. Donc cette épreuve, c'est seulement pour que nous soyons plus margish la présence d'Hachem. Et bien Hachem, elle va complètement disparaître. Ça sera une illusion. C'est une illusion qui va passer et qui va nous laisser cet impact de Dea et Hachem, qui est même l'Eam et l'Eam et Chassim. Voilà. Revois chez moi encore une fois à notre ami Mordechai Chaim Ben Rivka. Et que tout le sroud que l'on fait ce soir et qu'on va continuer à faire Bezat Hachem, toutes les occasions que je pourrai, je continuerai à donner des shiurim, les refois tôt. On est bientôt des bonnes nouvelles de sa refois shlema. Chazak Ubaour, Rav Zerbib, pour ces paroles de Torah rafraîchissantes. Nous allons donner la parole maintenant à notre ami le Rav Laloum, qui était présent lors de la première réunion, qui était avec Rav Zerbib et Rav Tartel, auteur du Psak Din, le premier pour la guérison totale et immédiate de Chaim Mordechai Ben Rivka. Bevakasha Rav Laloum, c'est à vous pour la tzniout dans la halakha. Shalom bracha. Avant tout, je tiens à remercier énormément tous les organisateurs qui permettent aujourd'hui ce rassemblement de tous les rabbinim francophones de France, même en dehors de France, Raphaël Matlan qui est l'instigateur. Et je profite surtout pour continuer ce que les rabbinim m'ont dit avant moi, souhaiter une guérison complète à Mordechai Chaim, à son papa, Rav Yosef Yitzhak Pesner, qu'il a pu le tsar de voir un enfant qui souffre de la maladie, que Bezrat Hashem, il sort complètement avec une forme mieux qu'avant. J'ai eu l'occasion cette année, plusieurs fois, d'avoir
de parler avec, avec Rav Mordechai au téléphone, que ce soit par WhatsApp ou par téléphone. Il m'a appelé plusieurs fois. Et je peux vous dire, comme il a dit Rav Zarib avant, l'intérêt qu'il porte à la Torah, qu'il porte à la halakhot. Et on sent une pashtout, une simplicité dans la façon dont il demande, la façon dont il veut savoir, sans être dur, de vraiment essayer de comprendre chaque chose de la Torah. Et c'est évident que le srout de la Torah, le srout de ses parents, le srout de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, on connaît tous le pasouk, Vachud, Mshulash, Bimera, Loïnatek, dans Kohelet, qui est rapporté aussi dans Avavatra, Dafnuntet. On sait très bien que Bevadai, que le srout des Avot et son srout à lui, Bevadai vont lui amener la guérison complète et totale. Alors, on a demandé de parler des paroles d'Alachot. J'ai choisi un sujet, le sujet de la Tzniout. Et je vais expliquer pourquoi la Tzniout. D'un des événements Bichla, de manière générale, on sent clairement un besoin de renforcer ce Inyan, renforcer le sujet de la Tzniout, de manière générale. On voit que Kadosh Baruch Hu, il demande, on voit combien de personnes ont été enfermées et ne pouvaient pas sortir de la maison. On voit que Kadosh Baruch Hu demande à chacun dans le monde entier, que ce soit de Tombouctou, en Chine, au Japon, du monde entier, Kadosh Baruch Hu, il demande à Cheshbon Nefesh. De plus, on sait très bien la fameuse Sikha Laït Va'adout du Rabbi dans Yud Bet Tammuz, Tafshin Zayn. C'est aussi rapporté dans Torat Menachem, dans Yitva Adut Kraf Raf, dans le 20e tome de Torat Menachem, où le Rabbi, il parle longtemps, il parle longuement là-bas sur la Tzniout, et à la fin, il écrit, puisque on se trouve, Bisman Akaitz, dans le temps, les temps de l'été, on se trouve en été, et comment il dit le Rabbi là-bas, chez Zehu Azman, c'est le temps, chez Nosim la country, on va dans le country, on va dans les montagnes, ils vont dans on voyage, c'est le temps, on va, il dit là-bas même un mot en anglais, sur le country. Et le rabbi, il finit avec les mots Are mitzvah de là, les farsem, asher al-chotzniout, tibushchanaur. C'est une grande mitzvah d'être mes farsem, les il-chotzniout, les lois de la tzniout dans le shuchanaur. Alors, certes, on n'aura pas le temps, ça prend des heures, rien de parler de chaque inyan de la tzniout, à partir de quel âge je vais rouler, mais surtout s'attarder pourquoi tellement la tzniout. Aujourd'hui, c'est tout simplement un fléau de la génération, c'est un challenge qu'on a. Dans la génération de renforcer constamment l'union de la tzniout, le sujet de la pureté. Il faut comprendre que quand on touche la tzniout, on touche trois yesodot, trois éléments essentiels, fondamentaux. C'est vraiment, il y a trois points fondamentaux dans la tzniout qui sont extrêmement importants qu'on touche. Le premier yesod qu'on va toucher quand on ne respecte pas la tzniout, c'est tout simplement un yesod personnel, c'est-à-dire on sait très bien qu'Adam et Chava, quand ils étaient avant le chet du Adam Arishon, ils allaient dans le Gan Eden, ils étaient sans habits. Mais après qu'il y a eu le chet Sadat, de Het Sadat, alors ils ont eu besoin de se couvrir. Et plus en plus on ne respecte pas les lois de la Tzniout, plus en plus on va mégaler, comme je vous en ai dit, parot mi tefar, plus qu'un tefar. Bien que ça, on parle pour la Tfila, on n'a pas le droit d'être mégalé plus qu'un tefar, mais moins qu'un tefar aussi, on n'a pas le droit d'être mégalé. Chaque point qu'on va dévoiler du corps, qu'on va dévoiler de sa personne, on touche, si vous voulez, le côté matériel sur le côté yesodi, le côté spirituel que Kadosh Baruch Hu il a donné. Et plus en plus on est vulgaire, plus en plus on se conduit d'une manière, d'un manque de tzniout. Le deuxième yesod qu'on touche, le deuxième yesod qu'on va toucher, c'est les yesod. C'est aussi un fondamental extrêmement important, c'est de la famille. Et ça, le rabbi, il en parle aussi énormément. Dans la Lacha aussi, on le trouve plus ou moins, vous connaissez tous la Gemara dans Yoma Memzain avec Kimchit. Que Kimchit était une femme que les korot beta, les murs de sa maison n'ont jamais vu les cheveux. Elle n'a jamais été chez elle découverte, les cheveux découverts. Maintenant, ça, on connaît tous l'histoire de Kimchit, et par ce srout, elle a eu 7 enfants Kohen Gadol. Alors, il y a une marque loquette, est-ce que c'est potentiel qu'elle a eu 7 enfants Kohen Gadol, ou si elle aurait pu en avoir 7? Ce n'est pas le Nidon. Le Nidon, c'est quoi qu'il arrive, que ce soit potentiel ou que ce soit qu'elle a eu 7 enfants Kohen Gadol, ce qui est vadaï, ce qui est sûr,
c'est qu'elle elle les a eues ou elle aurait pu les avoir. Et le rabbi dit dessus, il dit, on aurait pu se contenter, il dit d'ailleurs, c'est rapporté, c'est le Rav Groner qui ramène ça en Tafshin Chafret, d'ailleurs ils sont rapportés dans les Sirchot Kodesh, page 199 de Tafshin Chafret justement, où là-bas, Rav Groner, il écrivait, c'est marqué dans le Mishifré Rabbi, il rapportait là-bas tout ce qui s'est passé là, cette année-là de Chag HaShavuot, où le Rabbi, il a parlé énormément sur la Tzniut. Et au moment, il parlait de cette histoire de Kimchrit dans Yoma. Et quand le Rabbi parlait de Kimchrit, il dit, une femme, elle peut se demander, bon, tous les enfants, Kol Israël, Kedoshimem, on est tous saints. On est tous Kadosh. Qu'est-ce que j'ai besoin de demander un Kohen Gadol, tellement ce niveau de... Le rabbi dit, c'est évident qu'on doit, chacun doit se demander de vouloir le meilleur. La Torah, et le rabbi là-bas, je me rappelle, il dit un mot en yiddish. Il dit, oisgevost. Il dit, une femme, elle aurait pu, elle ne dit pas la Gemara, que sa maison, elle soit brillante, ou les meubles soient flambant neufs, ou qu'il ait le dernier canapé. Non, ça, c'est l'union de la tzniout. Kol gvudam bat melech pnima, c'est l'union de la tzniout. Le rabbi, d'ailleurs, il rapporte dans plusieurs endroits, il dit aussi que c'est lié au mari. L'union de la tzniout, on peut penser que c'est que lié à la femme. Alors, d'abord, clairement, c'est lié aussi au mari, d'abord, même quand on prend le Shulchan Aruch, les premiers l'achodan morazaket, que même l'an plaot, des chaussettes, un homme, il les met en dessous de la couverture. Alors, il y a toute une discussion, est-ce qu'un homme, il a le droit de sortir avec un short, par exemple? Ça va dépendre des endroits, Bechoulé, mais Bevadei, que c'est l'homme, il est d'abord considéré par la tzniout. À part ça, tout comment l'homme il va se conduire à la maison, tout comment l'homme il va se conduire à la maison, et ça c'est le deuxième fondamental, le deuxième yesod, comment l'homme il va se conduire à la maison, comment la femme elle va se conduire, c'est une répercussion directe sur les enfants. Et quand on parle de tzniout, c'est évident, les habits, ça c'est bevadaï, et pour ça il faut connaître les halakhot, que ça soit, surtout quand on est en vacances, on a tendance, on va aller en piscine, on peut penser peut-être qu'on peut se découvrir même entre nous, il faut savoir que la tzniout, le rabbi avait parlé d'ailleurs pour ça, pour la piscine, que même des femmes, quand ils sont avec leurs enfants et leur mari, etc., ils gardent, même qu'il n'y a personne de dehors, ils doivent garder la tzniout. La tzniout, c'est un point qui est pnimi, qui doit être à l'intérieur dans son comportement, dans la façon de parler, comme le rabbi dit, et comme c'est rapporté aussi combien de fois dans la halakha et dans la Gemara, la façon dont on doit parler. La tzniout, elle se reflète dans chaque moment de la vie. Et le rabbi, d'ailleurs, il dit dans Itbadut Kraftet Zayn, il dit un enfant, même un enfant qui est petit, on sait que Bichlal, la Chotzniut, il commence même à l'âge de 3 ans. Il y a une marloquette des poskim, on sait que chez Rabban, on suit l'âge de 3 ans, comme le Mishnah Brura dans Ine, qui tient que ça commence à l'âge de 3 ans. Qu'à l'âge de 3 ans, on doit être méader qu'une fille s'habille mamash bitzniut. Mais à part ça, même un enfant moins de 3 ans, qui a 3 ans, qui ne sait pas encore c'est quoi la tzniut, il ne connaît pas. Le rabbi, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit, certes, un enfant, il ne connaît pas encore c'est quoi Bichlal la Torah. Il n'a pas encore le date pour comprendre. Par contre, il peut comprendre une chose. Même un enfant petit de 2 ans et demi. Il comprend chez nous, dans notre maison, il voit les parents. Mes parents sont différents des autres. Ils ne sont pas avec la mode, avec tout ce monde. Ils sont différents dans leur façon de parler. Comme on dit, Géon Yaakov. Ils n'ont rien à voir avec le monde extérieur. Mes parents, ils sont différents. Ma famille est différente. Et ça, c'est une écoute extrêmement importante. On doit la vivre au jour les jours. On est les enfants Bnei Yaakov. Notre comportement, c'est quoi? C'est quoi Gon Yaakov? Regardez, il y a une très belle lettre du Minchat Yitzhak dessus. Gon Yaakov, c'est qu'un juif, il va marcher à 100 mètres, même qu'on ne voit pas, il n'a pas le chapeau, il est sorti sans chapeau. Un non-juif va le voir à 100 mètres, il dit, ça, c'est un enfant de Yaakov. Ça, c'est Gon Israël. C'est ça, la Gon Israël. Ça, c'est la fierté d'Israël. L'union de la tzniout. Ça, c'est sa plus grande fierté, qu'on le reconnaisse à 100 mètres, et que Dieu préserve et qu'il ne doit pas avoir honte. Ça doit être notre plus grande fierté, la tzniout. Encore une fois, dans le dibour et dans le maasé, ça, c'était le deuxième yesod. Le troisième yesod, et je finis avec ça, c'est quand on touche à la tzniout, on l'a dit un peu en remèse dans tout ce qu'on vient de dire, le troisième yesod, c'est ce qu'on appelle le yesod leumani, le yesod leumi. C'est toucher à Yaakov, c'est toucher à Israël, c'est toucher à l'entité même du Ham Israël. À ce que nos parents et nos arrière-grands-parents ont gardé, on sait très bien qu'au risque de leur vie, pour garder la Tahara, ils étaient à moins 10 degrés, moins 20 degrés pour garder la Tahara. Et ça, Bevadaï, que le Sroud, encore une fois, que quand on se conduit,
comme Gaon Israël. Alors, Bevadai, on ne touche pas à ce qu'il y a de plus fondamental, qui est la Tzniout, qui est la Torah. Que ça, c'est le reflet de la Torah. Encore une fois, la Lachod, on n'a pas pu trop rentrer dans les détails, mais surtout parler des Yesodot, d'abord les fondamentaux, ce qui est le plus important. Encore une fois, je souhaite un refou Hashlema de tout mon cœur. Et qu'Akadosh Baruch Hu écoute les prières de toutes ces paroles de Torah. Bevadai, Akadosh Baruch Hu, il ne reste pas insensible. Et c'est sûr que ça va ramener la refoua. Geoula, Krouva et Bezat Hashem, encore à la fin de ce Yeme Choufcha, de ce Yeme Ben Azmanim, que Kadosh Baruch Hu va vous envoyer, ma chère Tzidke, nous Techefoumia. Chazaku Baruch, Rav Laloum, merci beaucoup pour votre intervention. Nous allons donner la parole maintenant à Rav Abishid. Il a tenu à être parmi nous malgré son emploi du temps extrêmement chargé. Il m'a laissé un petit peu sur un suspense pour son sujet, mais le Tochen, c'est la vérification des Mezuzot pendant le mois d'Eloul. Il a un grand chidouf à nous dire. Bechavod, Rav Abishid. On m'entend bien? Parfaitement. Ok. Alors, bonne soirée à tout le monde. Que Bezrat Hashem, ces paroles de Torah soient les rifouato de mon ami proche, Chaim Mordechai Ben Rivka, que la Tshuva est mivia refoua la olam, la Torah est mivia refoua la olam, et c'est sûr que toutes ces paroles de Torah vont encore rajouter dans le Rachamim d'Akadosh Baruch Hu pour Behemet avoir une refoua Shlema ou Miyadit dans tous ses membres qui retrouvent, qui a toutes ses capacités, et que ça soit devant tous ces gens de ce Zoom et tout le monde entier, on puisse voir les niflaot d'Akadosh Baruch Hu qui soient Mekadesh, que le Shem d'Akadosh Baruch Hu soit Mekudash Barabim, Bezrat Hashem, avec sa refoua palpable, Betov, Anire, Vanigle. Alors, vous savez, on va justement parler d'un sujet de Torah qui est lié justement à la longue vie. Et donc, c'est pour ça que ces paroles qui sont Mamash, Meinyan, Beoto, Inyan, que ça lui amène une très longue vie, Begashmiut. Alors, il faut savoir que dans notre Torah et mitzvot, en général, ça nous apporte la vie matérielle et le bien matériel également. Ki em chayeinu ve'orech yameinu. Ça, c'est de la Torah et les mitzvot en général. La Gemara en Kiddushin aussi, elle en parle dans la page 39, lorsqu'on est pratiquant, en général, on fait les mitzvot et on étudie la Torah. Ça nous apporte l'arichut yamim veshanim tovot, une longue vie et de bonnes années. Mais par rapport aux mitzvot, en particulier, les mitzvot, dans le prat des mitzvot, il n'y a pas beaucoup de mitzvot où il y a la récompense qui est juxtaposée à côté, ce qu'on appelle sacharo betzido. Il y a des nafkamina dans l'alakha sur kofin ou pas kofin. Une mitzvah où il y a une récompense, c'est assez rare lorsque la récompense elle est marquée clairement. Et encore plus rare lorsqu'une mitzvah, elle nous apporte une longue vie. Et on peut les compter sur les bouts des doigts. On n'a pas besoin d'être un génie en Torah. On a par exemple le respect de ses parents dans Parashat Yitro, Parashat Vayetranan, que ça amène une longue vie. On a dans Parashat Kitetsé, lorsqu'on parle du Shiloh HaKen, lorsqu'on va trouver la mère qui est sur ses œufs ou sur les oisillons, il y a cette mitzvah de Shalach Tashalach Etaim Vetabanim Tikachlar. Là aussi, c'est marqué qu'on aura des bons jours, Varach Tayamim, etc., qu'on aura une longue vie. On a la mitzvah des Mishkolot. La balance, elle doit être une balance de personnes qui vont dans la droiture et pas Chas Veshalom tromper un juif avec une balance, Eifa Vaifa. Là-bas aussi, la Torah, elle parle dans Parashat Kitetsé des Mishkolot, que ça soit également une bracha pour avoir une longue vie. On peut trouver aussi dans la mezouza la longue vie. Les man yirbouyemechem, yibébenechem. On peut trouver même dans les tfilin, la Gemara dans Menachot, page 44, qui dit Alech Hashem, Alehem Yichyu. Ça veut dire que les tfilin peuvent apporter une longue vie. Donc, mais on peut les compter sur les bouts des doigts, ces mitzvot, où on a une longue vie. Est-ce que c'est une longue vie matérielle ou spirituelle dans le monde futur? Cette discussion est très populaire. Tout le monde connaît l'opinion du Tana Rabbi Yaakov
dans Maserhet Kiddushin, page 39, bête, où là-bas, il dit qu'il témoigne même, Chaza, Maaseh Chaza, il a vu un Maaseh où une personne avait irrespecté son père, et en même temps fait la mitzvah de Shloach Haken. Ces deux mitzvot qui doivent apporter la longue vie, et ça s'est mal terminé. Alors, il dit que c'est Sachar Bay Al-Maleka, comme la Gemara dit dans Avodah Zarah, dans Hérouvine, et dans le Tania aussi, on voit ça, dans Perek Dalet de Grotta Kodesh, on voit ça, c'est un sujet très populaire, que les récompenses des mitzvot, c'est plutôt pour le monde futur. Donc même si c'est marqué à la Adama, etc., ça parle de la terre Eretz Achaim, du monde futur. Mais pas tout le monde est d'accord avec ça. Le Stam Mishnah, justement, il n'est pas d'accord. Dans Maseret Kiddushin, la flamme de tête, là-bas c'est marqué, a priori, qu'une mitzvah, elle peut rajouter la vie dans le monde matériel. Donc pas tout le monde est d'accord. Dans Tanev Eliyahu Rabbah, il y a aussi des opinions qui sont contre l'opinion de Rabbi Yaakov. Et il y en a qui font la différence, le Kuzari, le Marsha. Est-ce qu'une personne en particulier, les récompenses sont dans le monde futur, mais quand on parle du peuple juif en général qui accomplit ce Torah Mitzvot, et ben les récompenses ils peuvent être aussi palpables dans le Olam Hazeh, dans ce monde matériel. Donc il y a énormément de discussions. Il y a une Sira du Rabbi aussi qui jaillit là en tête, de Chelek Yutet assez connu, où le Rambam, lui-même apporte justement dans les lois de Teshuvah, dans le 9e chapitre au début, il amène justement ce que Rabbi Yaakov dit, mais uniquement en utilisant le verset de Shiluach Haken et pas Kibud Horim. Le Rabbi va faire une différence, que peut-être une différence entre, d'après le Maïmonide, entre les mitzvot de Ben Adam Lachavero ou Ben Adam Lamakom, que ça peut être Begashmiut ou Beruchniut si c'est Ben Adam Lamakom, etc. Mais en tout cas, c'est une longue discussion. Ce qui est très étonnant, et je voudrais attirer votre attention justement sur ça, c'est que le Shulchan Aruch, en principe, il n'est pas là pour nous raconter les récompenses et les choses magnifiques qu'une mitzvah, elle entraîne. Ça se trouve assez rarement dans le Shulchan Aruch, et à chaque fois que ça se passe, dans mon Sefer, j'ai écrit longuement sur le début des Vanaïzer, par exemple, dans le Siman Aleph, où là-bas, le Shulchan Aruch et le Tour aussi, ils s'allongent à dire des choses qui sont bonnes, des récompenses, des choses magnifiques qui sont autour de la mitzvah de se marier. Donc à chaque fois qu'on en parle, ça réveille toujours l'étonnement des décisionnaires. Pourquoi le Shulchan Aruch en a parlé, quel est le message, etc. Et bien, sur toutes les mitzvot qui ont la longue vie que j'ai mentionnée avant, le Shulchan Aruch du Beit Yosef, il va systématiquement ne jamais amener que cette mitzvah. Marie qui va dire très souvent faire attention à cette mitzvah, il ne va jamais dire dans le Shulchan Aruch que cette mitzvah, elle entraîne la longue vie. Par exemple, dans les lois de Tfilin, que j'ai amené la Gemara Menachot, c'est vrai que le Prisha, le Rambam amène dans les lois de Tfilin et Mezuzot que c'est une longue vie. L'Admor HaZaken, il amène dans le Siman 37 que c'est une longue vie, mais le Beit Yosef amène pas ça dans son Shulchan Aruch. C'est les commentaires du Shulchan Aruch qui amènent ça, que ça amène une longue vie. En plus, une longue vie matérielle, dans le monde matériel, le Prisha, il dit, le Bar, il explique pourquoi c'est matériel. Le Mishnah Berurah aussi le précise dans le Siman 37 que c'est matériel, une longue vie dans le monde matériel, mais le Beit Yosef n'amène pas que ça amène une longue vie. La même chose pour le respect de ses parents. Dans le Siman 240 de Yoredea, là-bas, il apporte que c'est très important de faire attention à la mitzvah de respecter ses parents. Il ne précise pas le Shulchan Aruch que ça amène une longue vie. La même chose dans le Siman Resh Tzadik Bet, dans le Shiluach Haken, dans Yoredea. Il n'amène pas que ça amène une longue vie. La même chose dans les Mishkolot, dans Rosh Mishpat, Siman 231. Là-bas aussi, il n'amène pas que c'est une longue vie. Il y a un seul endroit où le Shulchan Aruch amène. Je peux parler du Rama qui amène par rapport au 15 Av dans Yoredea 246-22-23. Mais le Beit Yosef, dans un seul endroit, il nous amène la longue vie. C'est où? Sur la Mezouza. Il dit la Mezouza, dans le Siman 285, Alakha 1, il dit que la Mezouza, ça entraîne une longue vie. Donc c'est une Alakha dans le Shulchan Aruch. Et il dit que ça amène une longue vie à soi et à ses enfants. Les manir bouyamechem vibemenechem. Il y a la Gemara assez dure qui le dit dans le côté inverse, dans Maseret Shabbat, dans Madlikim, page 32, que Chas v'Shalom, on peut perdre ses enfants dans sa vie si on ne respecte pas la mitzvah de Mezouza. Et donc, le Shulchan Aruch a trouvé juste sur cette mitzvah-là, uniquement, d'amener la longue vie. Ni dans le respect des parents, ni dans Shiluach Haken, ni dans les Mishkolot, ni dans Tfilin, uniquement dans le Siman 285. La question, c'est pourquoi il amène cette chose-là d'Afka. Donc, le point, un des points qu'on va expliquer, c'est que je vais aussi rappeler que le Rabbi, en Tafshin Lamed Dalet, le Rabbi avait lancé le Mifta Mezouza.
Et lorsqu'il a enseigné le Mitzvah Mezouza, il a parlé énormément de la récompense qu'il y a dans la Mezouza, et au niveau de la protection, et au niveau de la longue vie, au sujet de la longue vie. Et il y avait un Rav Pachabad qui a attaqué, comme le Rabbi avait souvent eu l'habitude d'être attaqué dans ses Mifsaïm, lorsqu'on fait des bonnes choses, on est attaqué. Il avait été attaqué par une lettre où on lui avait posé la question, mais pourquoi tu donnes tellement d'importance à la récompense? Donc, fais des mitzvot comme ça marqué dans Pirkei Avot, pas pour recevoir des récompenses. Bon, ce n'est pas une grande question du fait, je fais entre parenthèses, tout le monde connaît le Tosfot dans Maseret Psachim, page 8, où là-bas c'est marqué clairement que Anoten Pruta Almenat Shihye Beni ou Almenat Shihye Le Olam Abba, Arezet Sadigamot, Tosfot il pose la question de la Mishnah dans Avot, il répond que un juif, c'est sûr que quand il fait une mitzvah, ce n'est pas pour ça. Et il ne va pas regretter sa mitzvah si la récompense ne se réalise pas. Mais on a le droit aussi d'y penser. Mais quand même, le rabbi lui répond quoi? Le rabbi dit, je ne comprends pas ce que tu veux. C'est le Beth Yosef, comme ça le rabbi lui dit dans sa lettre. Le Beth Yosef lui-même, pas de sa manière habituelle, a voulu marquer dans le Shulchan Aruch que cette mitzvah, elle amène une longue vie. Donc c'est la première halakha bilchot mezouza. Et là, on va voir quelque chose de très intéressant. Le tour... Rabbi Yaakov ben Asher, justement, dans le Siman 285, c'est lui le premier qui amène que la mitzvah de Mezouza, c'est une longue vie. Et il rajoute, il dit, Gdola Mizu, il y a quelque chose encore plus fort que la longue vie, c'est que la Mezouza, elle nous protège. Elle protège notre maison, elle protège notre bien. Tout de suite, le Beth Yosef s'étonne, mais il dit, mais comment on peut dire, comment le tour peut rajouter les mots, comment il peut définir encore plus grand que la mitzvah, elle protège nos biens. Il n'y a pas plus grand, plus belle bracha que la longue vie et d'avoir des bons jours. Donc, comment c'est possible? Et il y a plusieurs réponses que le Beth Yosef apporte, mais le Taz va dire quelque chose d'extraordinaire. Le Taz, il vient, il dit la chose suivante. Il dit qu'il va poser la question, il amène la réponse du Beth Yosef, et là, il dit quelque chose que beaucoup de personnes, vérifier nos mezouzot, c'est pas shoot. Mais il y a beaucoup de choses à vérifier dans la mezouza, encore à part ça. C'est bichra, est-ce qu'on accomplit l'essentiel de la mezouza? Et pas dans les drachot, dans le Shulchan Aruch, dans le Taz, dans le Rambam, dans les lois de mezouza, dernier chapitre, là-bas dans le Perek 7, à la Chatrez. C'est quoi l'essentiel de la mezouza au niveau de Niglé? C'est même pas au niveau de Kabbalah, au niveau de Chassidut. Dans le Shulchan Aruch, comme ça le Taz comprend le Beth Yosef. Il dit pourquoi le Shulchan Aruch a apporté qu'on doit... que cette mitzvah, elle amène une longue vie, il faut savoir comment la mitzvah, elle amène une longue vie. Parce que c'est très important de la voir et de ne pas avoir le contraire. Il dit, c'est quand un juif, il sort de sa maison ou il rentre dans sa maison pour avoir la bracha de la longue vie. Et même pour la suite, pour être gardé, même quand on n'est pas dans le message, qu'on est en train de dormir, par exemple. Ça, c'est le Gdola Mizu. Mais il dit, il faut une condition qui n'est pas facile. C'est de se rappeler le Yichudo Itbarer. Il faut se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il est Hachem Echad. Il faut se rappeler la Ardout Hachem. À chaque fois qu'on touche la Mezouza, ce n'est pas dans les Drachot. Le Rambam, il écrit ça, mais fourrage dans les Lchot Mezouza, par exemple, à la Chayut Gimel. Et le Taz, il dit que le Shulchan Aruch, il promet la longue vie si on se rappelle en sortant ou en rentrant dans la maison l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et comme le Rambam, il dit là-bas que c'est la chose la plus importante de la date et de Tsur Olam, de connaître le Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, très simplement, sans rentrer dans l'explication de Chassidou, parce que notre temps est limité, Akadosh Baruch Hu, il est, bien sûr, le Balabait. Ça, c'est Hachem Echad dans le sens le plus simple possible. Le Shla Akadosh, il écrit Chas Veshalom, qu'un juif, il se suffit de penser qu'Hachem, il est Echad et pas plus que ça. Bien sûr, nous, on est dans un niveau de Enod Milvado, dans un niveau ou en od, il n'y a même pas de chose qui est secondaire, il n'y a pas de mitziyut sans Akadosh Baruch Hu. Donc l'unité d'Hachem, ce n'est pas stam dans du domaine de Elohim, ça c'est chez les Goïm aussi, qui est Zba Elohim, même un Goï, il peut avoir cette vision de savoir que Dieu peut être menel le monde et de sentir ma Hachem, ma Aneshama, ma Latagouf, car Hachem, ma Letolam, comme on a dit dans Brachot. Mais un juif, c'est Shema Israël, comme le Tzemar Tzedek, il explique Barichou dans Ardout Hachem, pourquoi Dafka c'est marqué Shema Israël? Parce qu'il n'y a que Israël qui a en lui le Yud Kevavke, qui est pas, qui a, chez nous, c'est Hachem ou Elohim. C'est Shema Israël, Hachem Elohim ou Hachem Echad. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mezouza? Dans la Mezouza, c'est marqué l'Ardout Hachem. Shema Israël, Hachem Elohim, c'est quoi Hachem Elohim? Que Yud Kevavke pour nous, c'est
Elohim, pour nous, c'est Yud Kevavke. Nous, on est dans une dimension, comme le Balatané l'explique longuement dans Yigret HaTshuva Perek Dalet, que nous, on a le Yud Kevavke dans notre âme. Et donc, on a ces capteurs et cette vision différente des choses. Que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde, et le monde n'a même pas de mitzvot, parce que Dieu, il peut gérer le monde, mais ça peut être difficile à gérer quelque chose. Ok, il le gère. Non, ça, c'est du domaine de Elohim. Mais dans Itarutad, il est là, dans Ichuda, il est là, dans le niveau de Yudke Vavke, le monde, il n'est rien du tout. Il n'est même pas une mitziyut. Ni les médecins, ils ont leur mot à dire que pour guérir. Sinon, ils n'ont aucune mitziyut. Ni la matière, elle a son mot à dire. Rien n'a son mot à dire. La seule chose, c'est la Elokut. Et ça, un juif, ça, c'est l'alakha. L'alakha d'une mezouza, la première alakha d'une chot mezouza. Le Shulchan Aruch, il nous dit que c'est une longue vie. Et comme le rabbi dit dans la lettre, il dit le Shulchan Aruch, il ne parle pas des pshat l'air. Le Shulchan Aruch, quand il dit longue vie, c'est Be'olam Hazeh Agashmi. C'est dans ce monde-là. Et le Taz, il dit, quand c'est que la mezouza, elle amène une longue vie dans ce Olam Hazeh Agashmi et la longue vie de nos enfants, les man, irbu, yemechem, vibe, benechem, à la demain, c'est uniquement lorsqu'on touche la mezouza qu'on sort et on rentre et on pense à l'unité d'Hachem. Et ça veut dire quoi? Pourquoi on n'a pas cette promesse dans une chot Kriyat Shema? Quelqu'un qui fait Kriyat Shema, il a redout Hachem, et ben il a une longue vie. Kriyat Shema, quand je suis en train de me préparer à ma tfila, je suis dans l'Olam Abriya, ok, ça c'est pas un chidouche. Le grand chidouche, c'est Biknisato Bitsiato. Qu'est-ce qui se passe quand je rentre à la maison? Quand je rentre à la maison, des fois il y a des gens qui n'ont pas de kavod, qui n'ont pas de respect dans la société tellement, au moins ils ont leur maison pour se rabattre, leur maison c'est leur sanctuaire, c'est leur miftsaro, c'est l'endroit où la personne, elle est le roi chez elle à la maison, etc. Et on peut penser que Kochi Ve'otsem Yadi Asalit Al-Khayil Azeh, j'ai déjà obtenu, j'ai construit une choule, j'ai construit un monument. Et je peux sentir une puissance à travers mon appartement, les constructions que j'ai faites. Quand on rentre, on dit non. Le balabaït de cette maison, chez Hachem Echad, ça veut dire tout ce que j'ai ici, ça lui appartient. J'ai rien, même mon assiette qui est en face de moi, comme Rabbi Yossi, le Zohar, il apporte, il priait Bichlal, que ça ne disparaisse même pas. Ça veut dire qu'il n'y a rien, tu n'as rien obtenu. La seule chose que tu as, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la seule mitziyut. Dieu, quand tu rentres, tu te penses que tu es le roi chez toi. Le seul qui est le roi chez toi, c'est le bon Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu, il faut se rappeler ça dans le monde matériel. Pas quand tu es en train de faire ta hitbonenout dans Olam Abriya. Quand tu rentres chez toi à la maison, tu vas voir ton frigidaire, tu vas voir ton lit, tu vas voir ton sanctuaire, ton harmon, ton royaume. Dans ce royaume, tu n'oublies pas de toucher la mezouza et de dire c'est Dieu le balabait, c'est la seule mitzvot qui existe. Et quand je sors dans le grand monde, Betsiyato, quand je sors, je vais affronter un grand monde, ce monde qui peut nous influencer depuis qu'on se lève, comme le Shulchan Aruch dit dans Siman Aleph, les maligim qu'ils peuvent avoir dehors. Le monde, ton patron, il te tient ton argent. Les banques, ils vont décider est-ce que ton chèque, il va faire tchouva, il ne va pas faire tchouva, etc. Le monde entier, il est là pour justement, a priori, te montrer qu'il est là, puissant, et tu es dépendant de lui. Et quand tu sors, tu as toute l'inquiétude du grand monde. Non, c'est Akadosh Baruch Hu, le balabaï de ce monde-là. C'est Dieu qui te donne tes chèques tous les mois. C'est Dieu qui te donne ta santé. C'est ni les docteurs, c'est ni ton patron. Arbe Shluchim Lamakom, c'est Akadosh Baruch Hu. Un juif, quand il regarde dans le monde matériel, pas dans l'Olam Abriya, quand il est dans l'Olam Asiya, il rentre dans ce monde, il va voir sa maison, il va voir son pain, il va voir son steak, il va voir le grand monde à l'extérieur, il va voir sa banque, il va voir un magasin, il va voir son business. Hachem Echad, il touche la mezouza et il n'oublie pas ça. Lorsqu'un juif, il est capable de vivre, parce que la spiritualité, elle est très souvent confrontée, il y a une milchama. Alors la Torah, elle est venue pour faire du shalom dans le monde, mais ce n'est pas évident. Il y a une milchama, il y a des promesses magnifiques dans la Torah qui peuvent se passer que dans le monde spirituel. Peut-être que ce n'est pas adapté au monde matériel, mais lorsqu'un juif, quand il est dans le monde matériel, il rentre chez lui à la maison, dans sa maison matérielle, ou quand il sort pour regarder le grand monde matériel, et quand même, il a en lui le Yichudo Yidbarer, il a l'unité de Dieu, il a fait ici la paix entre le monde, il est, même à travers le monde, pas dans le Lama Bria, même dans le monde matériel, il est capable de voir que c'est Hachem le balabait de sa maison et c'est Dieu le balabait de la rue, de l'extérieur. Et ça, hein, le Taz, il dit, c'est ça exactement qui donne Be'etzem la longue vie. Alors, je vais simplement terminer avec une Nekuda. Tout le monde connaît, nous, Baruch Hashem, c'était les années où on était à la Yeshiva et c'était des belles années. Et je me rappelle en 89, lorsqu'on a reçu les Mamarim Mugaim de Anile Dodi Vedodili. Donc aujourd'hui, tout le monde les étudiait chaque année, dans les Miloukatim,
que ce soit Bet, Gimel, Dalet, etc., tous les Meloukatim. Il y avait un Meloukat, c'était un Mamar de Tafshin Lamed Bet, que le Rabbi avait été Magia dans, en Tafshin même tête. Et là-bas, le Rabbi, à la fin du Mamar, il dit quelque chose que tout le monde se rappelle, parce que c'est époustouflant de dire une phrase pareille. Des fois, on n'est pas là pour évaluer les mots, et des fois, il y a des choses grandioses qui se passent devant nos yeux, et on ne remarque même pas. Mais là-bas, le Rabbi termine avec une expression très bizarre. Il dit que les tkiot de chauffard, ce qu'on entend le chauffard, dans le mois de Elul, c'est plus haut que le chauffard de Rosh Hashanah. Il dit que là-bas, c'est pour ça que le chauffard de Rosh Hashanah, c'est des pratim, c'est 100. Par contre, là, c'est le klal, c'est 10 kolotes. Tashrat, tashrat, tarat, comme le minak du bar dans Tafouf Sadik Bet. Ça veut dire que le Rabbi vient, il dit, c'est pour ça qu'il n'y a aucun makor en dessous. Vous cherchez dans le Mahamar, ils ont pas marqué un makor. Et le Rabbi dit même fois, si Yeshlomar, on peut dire que les tkiot de Elul sont plus hautes que les tkiot de Rosh Hashanah. En vérité, il y a oui un grand accord sur ça. Dans le tour, et vous allez voir par rapport à quoi je dis ça en liaison avec ce que j'ai dit, je termine avec ça, c'est que dans le tour, dans le siman Taf Kouf Pe Aleph, les lois, dans la Mourazakan, ça manque, ça commence à Taf Kouf Pe Bet, mais dans Taf Kouf Pe Aleph, là-bas, le tour apporte le Pirkei de Rabbi Eliezer. Et dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, comme tout le monde sait, est parti récupérer Rosh Chodesh Elul ce soir, c'est-à-dire dans la journée de demain, Rosh Chodesh, il est parti recevoir les Luchot Shniot, et il est redescendu à Yom Kippour, etc. Il les a reçus à Yom Kippour, Vechulo, comme tout le monde sait. Quand Moshe Rabbeinu est monté, on a sonné le chauffard pour prévenir que tout le monde, que Moshe est parti. Et il dit le tour, au nom du Pirkei de Rabbi Eliezer, et il faut savoir que Yud Kevavke, il est monté en même temps que le chauffard. Et il dit chez Nehemar, Allah Elohim Bitroa Vegomer. Il dit Hachem, il est monté avec ce col chauffard. Il n'y a pas que Moshe Rabbeinu qui est monté avec le son du chauffard, mais Yud Kevavke, Hachem lui-même, il est monté avec le son du chauffard. Allah Elohim Bitroa Vegomer. Ça, c'est la chaîne du tour. Le bar, sur place, c'est un bar très connu que le Rabbi l'amène souvent dans les Sirot, Karov les Dodo, sur Anil les Dodi, sur Et Levavechav Et Levav, c'est ce fameux bar qu'il amène dans les Sirot. Et bien, dans ce bar, il pose la question suivante. Il dit, mais comment le Pirkei de Rabbi Eliezer, comment le tour qui amène ça, comment ils peuvent dire que Allah Elohim Bitroa, c'est le son du chauffard de Elul? Mais pourtant, c'est le passou que le Chazal dans Bavli, dans Yerushalmi, dans les Midrashim, Allah Elohim Bitroa, du Léomène Mikisé Adin, c'est le chauffard de Rosh Hashanah. Comment le Pirkei de Rabbi Eliezer, il peut dire que c'est le chauffard de Elul? Vient le bar, il répond. Il dit, le chauffard de Elul, il est allusionné dans le passage parce qu'il y a un double, il y a une répétition a priori. Alors c'est vrai que des fois dans la Gemara, c'est utilisé aussi pour une explication, mais comme ça le bar il comprend. Il dit Ah la Elohim Bitroa, ça a déjà été dit. Alors c'est quoi Hashem Bekol Shofar? Pourquoi on dit Avaye Bekol Shofar? Il dit Ah la Elohim Bitroa, c'est la Tkia de Rosh Hashanah. Hashem Bekol Shofar, Yudkevavki, il s'élève Bekol Shofar. Ça, c'est le chauffard de Elul. Comme ça, Be'etzem le Bahidi. C'est qu'on a un vrai makor, un makor assez fort pour montrer. Parce que Elohim, tout le monde sait que Elohim, c'est quand même un niveau inférieur par rapport à Yudke Vavke. Et il dit, Elohim, il monte par quoi? Par le chauffard de Rosh Hashanah. Et à Vaye Bekol chauffard, le Bahidi, ça, c'est le makor du Rabbi Eliezer. Ça, c'est le chauffard de Elul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Allah Hashem, Bekol chauffard, Be'avodat Hashem. Le Tzemar Tzedek, une fois, il expliquait que c'est quoi Allah Avaye. Allah Elohim Bitroa Avaye Bekol Shofar. C'est quoi Avaye Bekol Shofar? Ça veut dire que chaque juif, il a en soi le Yud Kevavke. Et c'est justement ces capacités d'âme qui peuvent nous faire attraper par le Yud, comme c'est marqué en Pérakutra de Tania. Ça nous fait attraper la Emouna, ça nous fait attraper la vision du monde d'une manière extraordinaire. Et bien, cette manière extraordinaire que chaque juif, il a de Avaye, qui est en lui, il faut le faire monter de niveau. Pendant le mois, ça c'est Be'etzem, l'union de la Mezouza. La Mezouza, c'est quoi? C'est justement de monter en nous l'estime de Yudke Vavke. C'est Yudke Vavke, nous, c'est pas Elohim, c'est Yudke Vavke qui est le Balabait Shemash, Israël, Hashem Elohim, Hashem Echad. C'est, ça c'est Allah, Hashem Bekol Shofar. Il faut que pendant cette période de Elul, le Yudke Vavke qui est en nous, il monte à son plus haut niveau. Nous, on n'est pas dans les dargats des Goïm. Nous, on est Ma'amin, Bechay Olamim, Bezorea, comme le Yerushalmi l'amène, que le Rabbi a tellement amené dans l'écouté Sichot. Donc, Bezrat Hashem, que pendant cette période de Elul, on va vérifier bien sûr nos mezouzot, comme c'est marqué dans le Maté Ephraim, c'est Anshema Issé qui font ça, mais nous c'est devenu un minak chez nous,
les tefilines et les mezuzot, mais on va accomplir la première halakha de l'ilchot mezuzot aussi. Il faut aussi se vérifier sur ça en Elul. Vayatourn, yat ara, il faut Elul, c'est vayalelun, c'est de se visiter, de remarquer comme la fameuse lettre du rabbi précédent qui amène ça au nom du Alter Rebbe, au nom du Baal Shem Tov. Luleit mama nous échavnu pa'amaim. Ça veut dire quoi? Qu'on doit faire une loulès et Elul, on doit faire double tshuva. Il faut faire la tshuva dans les pratim de la mitzvah de mezouza. On doit bien vérifier est-ce qu'on a une mezouza kasher, mais on doit aussi dans le klal aussi. Shavnu pa'amaim dans le prat et dans le klal des mitzvot. Et donc on doit faire attention à la première halakha. C'est la première halakha du Shulchan Aruch que le Taz y comprend. Un juif, quand il touche la mezouza à l'entrée de la maison, il doit se rappeler que c'est Dieu le balabait ici. Et quand il sort, et pas simplement le balabait dans le pshat, dans toutes les connaissances d'un juif qu'il y a dans le Sheikhout Vemouna. Et que Bezat Hashem, ces paroles qui parlent justement pour se renforcer dans une chose où le Shulchan Aruch du Bet Yosef, c'est la seule mitzvah où il a écrit Mamash à l'Ilchout Yamim, Veshaim Tovot, contrairement à Shiluach Haken, contrairement à Mishkolot, contrairement à Tfilin, etc. C'est ici qu'il a marqué ça. Donc cette mitzvah, elle amène Mehmet une arichut yamim veshanim tovot begashmiut pour Chaim Mordechai ben Rivka. C'est un ami proche. J'ai réalisé que dans l'après-midi, quand j'ai regardé pour le nom, j'avais entendu que c'était un des fils de Rabbi Yosef Yitzhak et je n'avais pas fait encore le rapprochement. Et quand j'ai entendu que c'est Mordechai que je connais personnellement, c'est une neshama théora. C'est une neshama incroyable. Perpignan, elle a besoin de lui. Et la terre entière, elle a besoin de lui. Dans l'Amasa Gashmi, on a besoin de lui. Parce qu'il n'y a pas des personnes comme ça. Ça, c'est incroyable. C'est un garçon que, chaque fois qu'on se rencontrait dans la rue pour 5 minutes, je me rappelle une des dernières discussions que j'avais eues avec lui dans la voiture de mon père, avant même que je me marie. On était là sur Hérouvin, sur le troisième. Lorsqu'on a BSM 3 Mechitzot. Alors, on m'avait dit, est-ce que ça peut aider un Lechi? Et je lui ai dit, non, mais si les Mechitzot, ils sont du troisième endroit, ils sont plus que Diamot, ils font un Tzorat à Pétar. On avait discuté de ça. Aussi, il m'a envoyé un message il y a peut-être un mois et demi sur une question d'Alara, je ne me rappelle pas c'était laquelle. On avait discuté. C'est une Neshama Teora. C'est quelqu'un d'une Anava incroyable. Et depuis qu'il est petit, je l'ai suivi quand il était à Yeshiva, il était plus jeune que moi, mais c'était vraiment quelqu'un avec une Irat Shamaim, mais vraiment rarissime, et un Réchec dans le Limud Torah. Et vraiment, il voulait être mécori dans chaque chose. Donc, Bezrat Hashem, Rapraim, Mordechai, Ben Rivka, on a besoin de toi ici, dans l'Olam Hazeh Gashmi. Et on va voir Bezrat Hashem, tous les rabbanim ici, ils demandent à Kadosh Baruch Hu, on a déjà fait un psak sur ça, on demande à Kadosh Baruch Hu, une arichut, yamim, veshanim, tovot, betov, anire, vanigle, amen, kenirotsan. Zaku Baruch, Rav Abishid, pour ces paroles toujours enrichissantes. On l'appelle le totard chez nous. Voilà. Donc, on va donner la parole à la plume du rabbin Lubavitch. C'est le Rav Leub Bechavod. Vous m'entendez? Oui, difficilement, mais on entend. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous voyez ce que je partage là. C'est le sujet de Michel Bérard, le sujet qui est Inyan et Yoma. Il y a plusieurs sujets à traiter, on n'a pas le temps ce soir, mais on va traiter de 3 sujets. Déjà, c'est quoi le makor qu'on dit Miché Berach à la choule? Miché qu'on dit Miché Berach. Et pourquoi le Gabaï le dit Bichlal? Pourquoi c'est. Comment on va voir comment c'est important de faire ce Miché Berach là? Et on va voir qu'en vérité, qu'on comprend c'est quoi Miché Berach. On va voir qu'en vérité, ce qu'on fait ce soir avec plus que 100 personnes, c'est le plus grand Miché Berach qu'on peut faire et la force que ça a. Et à Gav, on peut voir un petit peu d'alachot par rapport à Miché Berach Shabbat et quelques petites alachot en rapport avec ce Miché Berach qu'on fait. J'espère que les organisateurs ils pourront envoyer ce fichier après, comme ça tout le monde pourra le lire et s'enrichir de toutes les références. Donc le makor de Miché Berach, c'est dans la Gemara, comme il a rapporté Rav Pejna tout à l'heure. La Gemara dans la Gemara a dit « Arash Rabbi Pinchas, kol sheish lo tzar »
C'est-à-dire, si quelqu'un il a un problème, il a une maladie, pas une shela d'alakha, il a une maladie, il va voir le chacham, il va demander rachamim. Et le Mefarshim ramène un mot minhag zeh b'Tzarfat, c'est kol mi sheyesh lo chole, mevakesh mipi harav hatofes yeshiva sheyevarech oto. On a déjà vu ça en vérité dans la Torah. C'est marqué par rapport à Moshe Rabbeinu, qui avo elai ha'am l'idrosh elokim. C'est quoi l'idrosh elokim l'itpael al-cholem? C'est-à-dire, les gens ils viennent chez Moshe Rabbeinu, pourquoi? Pour demander refoua. Et on voit ça dans la Torah plusieurs fois, quand elle avait mal au ventre, Rivka Emenu, elle a été voir le Rav. Toujours quand il y a des malades, Rabbi Chanan ben Dosa, on va chez Rabbi Chanan ben Dosa demander rachamim, toujours. Et Darke Moshe, dans Shulchan Aruch, il dit, Mistama, c'est d'ici qu'il vient le mina qu'on fait Mishéberach al-Hashul. Bien que dans la Gemara, ce n'est pas marqué de faire Mishéberach al-Hashul. Ok, l'Echet el-Racham. Alors, c'est quoi? C'est que le Racham, on ne peut pas aller toujours chez lui. Il est occupé. On ne peut pas toujours se déranger pour le déranger, se déranger. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? On a dit, on va aller à la Shul. Je ne sais pas si vous voyez ici ce que je partage, ma doua, Bédeknesset, parce que voilà. Parce que dans la Shul, le Racham va être. Et quand on va dire Mishéberach, alors le Racham, il va entendre. Le Mishéberach, il va dire Amen. Et comme c'est marqué que quand on a un problème, on va aller chez le Chacham. Et c'est pour ça qu'on fait Mishéberach. Parce que le Chacham, il va être là, il va dire Amen au Mishéberach. C'est très important déjà de savoir qu'il faut répondre Amen. Parce que je ne sais pas qui est dans le Geder Chacham ou pas. Mais en tout cas, c'est sûr que tout le monde doit répondre Amen au Mishéberach. Tout à l'heure, on va voir que c'est même une histoire de l'État. Donc pourquoi le Gabay? Mishnah Boura, il ramène quelque chose de très intéressant. Que c'est comme pendant Matan Torah. Matan Torah, il y avait un sarsour. Sarsour, c'est celui qui va transmettre la Torah. C'est Moshe Rabbeinu. Anochi omed nashem v'neichem. Il y a le Baal Koré, il y a celui qui monte la Torah. C'est pour ça que le Gabay, celui, c'est le Zgan. Le Baal Koré, c'est le sarsour, celui qui est en train de la Torah. Et celui qui monte la Torah, c'est l'âme Israël qui reçoit la Torah. Et c'est pour ça que le Gabay lui-même, c'est lui qui va dire. Parce que lui, il est comme Yesh Ashkei Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu et Am Israël. Akadosh Baruch Hu, c'est le Gabay. Le Baal Koré, c'est Moshe Rabbeinu. Et celui qui monte à la Torah, c'est Am Israël. Donc, on est en train de dire au Gabay, et toi, maintenant, tu prends le rôle d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, c'est marqué dans l'Alacha. Tu prends le rôle d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Levush, le Makor. Et tu vas dire une bracha, et c'est Hashem qui est en train de bénir à travers Moshe Rabbeinu et tout le Am Israël. On voit ce minage même dans les chenilles, il est rapporté dans le intéressant. Je vois la note 5, si vous voyez ici. Mari, il dit, Ragil aya Mari, ça c'est ramené dans son livre. L'itol chumash katan biado, il prenait un chumash dans sa main et il se promenait entre les gens. Et dès chez Akou Maïj, bon, pour pas qu'on fasse kavod à lui, qu'on fasse kavod au chumash. Et qu'est-ce qu'il faisait? Et à Mevarech, bah, avour, chez Itnou, maintenant, il y a des fois la Torah, il y a des fois de règles, le kacha, Mevarech, kol nar, chez Abar Mitzvah. Voilà, il faisait à tout le monde, c'est-à-dire, comme le mari, il sait que la bracha du chacham, c'est une bracha, donc il tournait dans la choule et il essayait de donner une bracha à chacun. Ça, c'est le minhag de Makor, de faire la bracha à la choule bichlal. Et ça, ça nous montre l'importance bichlal de faire un mishéberach et que tout le monde participe à ça en vérité à la choule, parce qu'on dit à voix haute. C'est pas qu'on dit mishéberach à voix basse, on dit à voix haute, comme ça tout le monde entend et tout le monde répond Amen. Il y a une question, un sujet vite fait sur le bracha le Shabbat, le cholé Shabbat. On a deux problèmes de faire Mishéberach Shabbat, parce que la Gemara elle dit il y a un problème de tzar, on n'a pas le droit de mitzvah Shabbat. La Gemara elle dit Tanou Rabban, Nichnas Levaker et Tacholé be Shabbat, Omer Shabbat imizok ou fois qu'on va l'avoir. Et on ne peut pas dire quelque chose de tzar Shabbat. Il y a un autre problème qui est à Shabbat, c'est qu'on ne peut pas faire Bakasha Tzracha, on ne peut pas demander les Tzrachim, celui qui veut. Morazaken, il m'arrive dans ça, dans Siman Rech Bezaï, il y a des contre Sachon, il y a une grande arichout sur ça. Et donc, il y en a qui disent qu'on peut dire certaines choses, mais moi, Zakani tient que non, il ne faut même pas dire Vourach Mina Shamaim, il faut seulement dire Shabbat et Mi'izok. Et il y a plein de détails sur ça, sur quel cholé on a le droit, quel cholé on n'a pas le droit. Et c'est intéressant, le vote qui a marqué, qu'il y a une zboula spéciale quand on dit Shabbat et Mi'izok, ou Fou Akrova Lavo, c'est marqué Moshe Daber, Elokim Yanenu Bekol. Moshe, d'abord, ça rejoint ce qu'on a dit, que le Baal Koré, c'est Moshe Rabbeinu. Le Gabay, il fait la bracha. Moshe, d'abord, va l'occuper, il va l'occuper, Moshe, Shabbat, il m'y et quand on a acheté votre au fou à Krovalavo. C'est pour ça qu'on dit Shabbat, il m'y c'est une zgoua, zgoula. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que même Yom Tov, et c'est comme ça qu'on contient, Sharakoy, il dit comme ça,
que même Yom Tov, il faut dire Shabbat et Mi'izok. Parce qu'il y a cette goula dans ce mot Shabbat et Mi'izok. Bon, il y a plusieurs dinim par rapport à Mishne Berakh. Par exemple, il faut dire Betor Shachol et Israël. Parce que comme on s'inclut avec les autres bénis Israël, alors Hachem, il nous écoute. Et c'est ramené dans les poskim que quand on répond Amen à Mishne Berakh, on fait une mitzvah à cette oraita de Vavala Hakamocha. Comme ça, il dit Aruch Hashulchan, comme ça, il dit dans les Mekochaim, Chavot Yair. C'est que quand on dit Amen à Mishne Berakh, on est mekayem mitzvah tasse de oraita de Vavala Hakamocha. Ça veut dire qu'il faut faire attention que le gabay, quand il dit Mishne Berakh, des fois, il y a le bruit dans la choule. Au moins, à la fin, il dit, comme on a l'habitude, il dit Venaïma, mais il faut qu'il dise Amen à voix haute. Et comme ça, les gens, ils disent Amen. Parce qu'au moment où ils disent Amen, ils sont mekayem mitzvah tasse. Et le gabay aussi fait une mitzvah tasse en faisant ça, parce qu'il est mishtatev dans cette mitzvah, il est mevarech. Donc, c'est intéressant, mitzvah trot kavana. Il faut penser à ça qu'on est en train de faire une mitzvah tasse de oraita de Vavala Hakamocha. Intéressant, ce qui est ramené dans les poskim, le Chida, il ramène comment ça se fait que dit le nom de la mère. Chaim Mordechai ben Rivka. Pourquoi le nom de la mère? Alors, si vous voyez ici dans la note 55, il dit parce qu'à la rov, à la ish, il m'a dit qu'il trouvait me terminer ça. Il pnei sha isha ptura mitzvah tasse chazan grama. Ou ptura mitzvah talmud Torah. Va ish, lui, il parlait d'une mitzvah tout le Torah. L'homme, il a dit tout le Torah, malheureusement. La femme, elle n'a pas ce problème. Veo, ce qu'a isha, m'a dit. Les autres avérotes que la femme, elle n'a pas. Vegam, elle me katrigi mitkani ben ekevot. Il y a des raisons pour qu'on dit le nom de la mère. C'est des raisons, bien sûr, à l'argument, c'est pas Merakev, mais il y a des raisons importantes pour qu'on dit le nom de la mère. Il y a un sujet aussi, à partir, jusqu'à quand on peut varer un cholé? Parce qu'un cholé, la Gemara dit que Tfilat Shav, c'est assur. La Mishnah, elle dit, Atzorek le Sheava, c'est Tfilat Shav. Quelqu'un qui fait une bracha, une tfila, sur quelque chose qui est déjà passé, c'est une tfila de Shav. Donc, si quelqu'un il va demander maintenant à lui faire un S, alors peut-être il ne peut pas demander cette bakasha, parce que c'est un S. Donc, est-ce qu'on peut demander, ça se trouve dans les tfila de Shav. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander? Alors, le poskim lui donne plusieurs raisons pourquoi on a le droit de demander quand même quand c'est Begeder, un petit peu Ness. Alors, en gros, c'est comme ça. D'abord, la tfila, elle aide pour enlever les histourines. En plus, souvent, la tfila, elle aide pour rallonger la vie. Et souvent, comme il a dit tout à l'heure, Ravabishi, les Rofim, ils n'ont pas le droit de dire la mort, que le droit de dire la vie. Donc, des fois, les Rofim, les médecins, ils disent des choses. En vérité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas Begeder Anes. Comme ça, on peut expliquer le nian de Bitachon que c'est que Tracht Gout, ce n'est pas que quelqu'un qui a sa jambe, elle est coupée, elle va repousser toute seule. Mais c'est quelque chose que. C'est le guédernes, mais ça peut passer Meloubach Bateva. Et comme c'est un cas comme ça, le rov des cas, c'est des cas comme ça, c'est pour ça qu'on a le droit de prier et de demander. Et c'est intéressant l'histoire avec Rabbi Nathan Haïbeshit, qu'une fois, il y a un goy, un grand docteur qui est rentré, qui lui a dit, comment ça se fait que vous dites dans la tfila, refait cholé à moi Israël? Pourquoi vous demandez que pour les malades de l'âme Israël? D'ailleurs, il n'a pas demandé ça le goy, mais d'ailleurs, dans Asher Yatzar, on dit, refait chol bassar. On ne dit pas refait cholé à moi Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il a répondu une réponse. Mais après, quand il est sorti, il a dit, je vais vous dire, au Talmidi, il a dit, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que, Cholé Amo Israël, ils ont, la refoua des Juifs, elle est les Malaminateva. Et c'est pour ça que la bracha de Cholé Amo Israël, c'est la huitième bracha, Keneg et la Brit Mila, et huit, c'est les Malaminateva. C'est parce que la refoua du Am Israël est les Malaminateva. Quand on fait Asher Yatzar, c'est refait Chol Bassar, tout le monde a besoin d'Asher Yatzar. Mais la bracha, de la refoua qu'on demande pour un juif, ça c'est une bracha qu'on demande les malam inateva. Et c'est pour ça qu'on demande ça fait cholé en Israël, c'est une refoua à la minateva. On va essayer d'envoyer ce fichier. Et nous, je dis, c'est une bonne occasion maintenant, il y a plus que 100 personnes, de demander, Mishper, à votre demander que refoua chez les machaïm, Adrémen Rivka, et de torcha cholé en Israël. Le chol à celui qui a besoin de quelque chose et qui mitpael chavero na'ana trila. Alors, si c'est quelqu'un qui a besoin de refoua, il va en même temps demander, alors il va être na'ana lui-même trila. On demande une bonne occasion que maintenant, c'est sûr qu'il y a des chachamim ici qui peuvent être mevarer. Ils disent amen à tous les mishiber que chacun il a fait et que ça a vraiment amené une vraie guérison et pour al-mamash. Merci beaucoup, Rav Leub, Chazak u Baruch.
le Rav Mordechai, Chaim Mordechai Pesner nous a rejoint. J'ai changé un petit peu, je me suis permis de changer un petit peu le processus. On va lui accorder quelques instants la parole pour qu'on puisse tous nous-mêmes lui souhaiter une grande Hatzlacha pour demain, une grande Refouah Shlema. Rav Chaim Mordechai Pesner, Bevakasha. C'est bon? Bon, a priori, ça prend un peu plus de temps. C'est bon. Voilà. Ah, voilà. Tout d'abord, merci beaucoup à tout le monde pour toutes les tfilotes et tous les bakashat rachamim, chacun individuellement et collectivement. Parce que c'est un moment très très émouvant de savoir qu'une maladie qui dure apparemment depuis l'âge de 3 ans, qu'on a dit à l'époque que c'était une méningite, et après il s'avère que c'est une tumeur. Et on se fait opérer et il s'avère que la tumeur est trop infiltrée, qu'on ne peut pas l'extraire. Mais malheureusement, il y a des dégradations, donc l'urgence fait qu'on va chercher une autre manière de refouer. Et donc, on a conseillé à un docteur ici en Floride. Et Bezrat Hashem, demain matin, il y a l'opération. Et Bezrat Hashem, que Dieu fasse, que je n'ai pas besoin du tout d'opération, que le Nechatrin a que je puisse retrouver la marche et tous les autres membres, que je puisse être chola Adam, v'tor shah chola Israël. Amen. Merci beaucoup. Chazak u Baruch, au Rav Chaim Mordechai, un exemple de courage et de vie, Kedarke Avotav. Nous allons donner la parole maintenant au Rav Tartel pour un sujet, la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu pour la bonne santé dont il nous a gratifié. Les travaux de Rav Tartel. Shomim Moti. On vous entend, Rav Tartel, allez-y. Alors, on va parler les sous de guérison et les priuto Athéna à Itana de Shaliach Arav Chaim Mordechai ben Rivka, que ce sera al derech shtar, shekara alav irur venitkayem, que Bezrat Hashem, son briout, Bezrat Hashem, se va être encore plus fort comme c'était avant. Et on a décidé pour son guérison plus vite de parler sur les ignans de Agomel, que c'est miyusad al pi bashamar Baal Shem Tov, que Baal Shem Tov il a dit que quand quelqu'un il est beit sara, il est mekabel al atzmo de faire une seudat odaa, alors c'est comme si on dit dans la chanson de Chassidut, drach gut vezayin gut, que le machshava tova, que quand le machshava tova il est mekushar avec les maasé gashmi, donc quand il prend une achlata de faire une souda toda, il dit le Baal Shem Tov, voilà, c'est mechazek, le inyan de zememaer et abriut. Et aussi, c'est connu aussi au nom de Rab Zusha, Mehanipoli, qui il amène le pasuk, c'est adeini veivashea, il a dit c'est adeini, que quand quelqu'un il a eu le machshava de faire le souda toda, alors automatiquement, ça va être amené, ça va accélérer les briutes.
Et Bechlal, que c'est connu qu'il y a, qui, Bechlal, même déjà, les paroles, c'est al-derech, kol mi she'osek betorat ola, keilu ikriv ola, déjà les paroles sur les inyanim, que c'est l'accélérer les guérisons, déjà c'est ramener les guérisons. Par exemple, c'est connu que c'est ce qu'il dit, l'Echida dit que bizman bet amigdash, Adam tzarich kapara mitkaper bekorban. Ve'achav, maintenant qu'il n'y a pas bet amigdash, alors quand il crie livre, le livre c'est considéré kimo korban. Et cet inyan qui écrit un livre, c'est considéré kimo korban, c'est dans les télim qu'on a dit tout à l'heure, dans les télim de Rav Chaim Mordechai, capitule même que là-bas c'est marqué Zevach ou Mincha, lo chafatzta, quand c'est un moment que malheureusement, le moment de Galout, qu'il n'y a pas le Zevach ou Mincha, à ce moment-là, inei bati bimkilat sefer katuv alai. À ce moment-là, l'écrit le livre, ça c'est comme le korban. Pour cela, il y avait beaucoup de gens qu'ils ont été les moments de Tzara, ils ont été malades et après, Baruch Hashem, ils ont devenu les guérisons, comme ils ramènent les Kava Yachar. À ce moment-là, alors les moments qu'ils ont devenu guérisons, ils voulaient ramener une Korban Toda, remercier Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est quoi était le Korban Toda? C'était les livres. Les livres qu'ils ont fait, c'était considéré comme Korban Toda. Et la même chose, il y avait les Rabbanim, que les moments qu'ils ont été Be'et Sarah, alors ils ont fait une neder que Bezrat Hashem, quand Akadosh Baruch Hu va aider, que la guérison va arriver, alors Bezrat Hashem nadrou shechabru sfarim lechalkem beYaakov veAfitzem beYisrael veShama Elokim tfilatam, comme par exemple le Rabbeinu Avraham Ibn Ezra, le Rabbi Yaakov Reisher leIyun Yaakov et le Pnei Yeshua, et la même chose il dit dans le Sefer Kava Yashar, que Shaya Chole Mesukan Kimat Shachna Duma Nafsho Gilu Lo Min HaShamayim Shiyosifu Lo Shnot Chayim Bavur Sheraoui Lezakot Et Yisrael Aledei Sefer. Et aussi il y a beaucoup de goulot, par exemple il ramène au nom de Rabbeinu Yehuda Hasid, que quand quelqu'un il est Be'et Sara, alors Mekabel Al Atzmo Shebe'et Biriuto, le moment qui va être bonne santé, alors il va dire le Perek Nishmat Kol Chay, que c'est mesugal al kol tzara, le kabel adam al atzmo lachar shenitzal, que c'est connu que le perek y a une grande discussion, c'est qui l'était mechaber le nishmat kol chay. Il y en a qui dit que c'était Shimon Rabbi Shimon ben Shatar, il y en a qui dit que c'était Rabbi Shimon ben Pazi Agadol, il y en a qui dit que c'est Rabbi Shimon ben Yochai. En tout cas, tout cet inyanim déjà de parler avec ça, ça va ramener Bezrat Hashem le guérisseau vite de Rav Chaim Mordechai. Alors pour cela, on va parler sur les Agomel, parce que, comme on a dit, quand Bezrat Hashem, déjà maintenant, il y a la décision de faire les Agomel et Bezrat Hashem de faire les Seudat Oda. Salderer, comme c'est connu l'histoire avec les Abnoua Zaken, qui a ramené Bracha, les Chassidim de Bishvil Banim, pour avoir les enfants, alors les Chassidim qu'ils ont acheté les Agala, ça c'était Chizouk pour que les Bracha va venir plus vite. Alors, on va parler un petit peu mitzad ha'ebet ha'ilchati par rapport à l'inyan de Agomel. Gemara dit Masechet Brachot, Arba'a tzrichin leodot, il y a quatre personnes qu'il doit remercier à Kadosh Baruch Hu, Yordé Ayam, Olchei Midbarot, Cholé Shenitrapé, Vechavu Sheyatsa Mibet Asurim. Quatre personnes, Vesimanach, Vekol Achaim Yodou Chosela. Chaim, c'est Rochetevot, Cholé, Chavu Sheyam, Isurim Midbar. Donc, alors le cèdre que les Gemara y ramènent, c'est Yordé Ayam, Olchei Midbariot, et après Cholé Shenitrapé, Vechavush, Sheyatsa Mibet Asurim. Alors, la question est connue que cet cèdre que les Gemara y ramènent, ce n'est pas le même cèdre que David Amelech y ramène dans les Teilim, et d'ailleurs que le Rambam aussi y ramène un autre cèdre. Alors, une des explications, c'est parce qu'elle est différente, on peut être magdim une autre question. Pourquoi, quand l'Igmara mentionne le Yordé Ayam et Olchei Midbariot, l'Igmara dit la Shon Ove, Bemtsa ou Bemtsa la redet la Yam, Bemtsa la lechet la Midbar. Et quand l'Igmara part sur le Cholé Shenitrapé, il dit la Shon Ava, Cholé Shenitrapé, le guérison est déjà arrivé. Chavu Sheyatsa Mibet Asurim, qu'il est déjà sorti. Alors pourquoi là-bas il parle la Shon présent
Et là, il parle la shon sheyatsa, la shon ava. Parce que, behemet, il y a une grande discussion, c'est marqué dans l'alaha, sheyassur le'adam le'achnis et atzmo le'sakana. L'homme s'est interdit de rentrer lui dans un événement de danger. Et tellement que c'est assur, que pour cela, s'il a rentré, il est rentré dans le matzav de sakana, il ne peut pas faire la gomel, parce qu'il est assur l'adam de rentrer à l'atmo de sakana. Pour cela, il dit l'alaha, que si quelqu'un veut aller à l'étioul, dans le lieu de sakana, ou bien, bien, il veut aller à l'émiskakim de sakana, assur. Alors là, il y a une question. Alors, comment c'est possible qu'il y a l'ignan de Yordé à Yam, Volchemit Bariot, Shelechatrila ou Olech Layam, Volech le Midbar? La réponse, parce que ça, c'est le Minagosh et l'Olam. Si c'est pour les Tiou, bien pour les Mishrakim, c'est interdit. Mais si c'est pour les Parnassa, etc., le Minagosh et l'Olam, là, c'est Moutar. Et à ce moment-là, il pour Bezrat Hashem. Alors, il y a Chon Asot Birkat Agomel. Pour cela, il a dit Yordé Ayam Olchem Itbariot, pour dire, même si il maintenant il est Yored Leyam, ou Atzmo Orid et Atzmo Leyam, c'est l'eau qui m'a cholé chez Nitrapé, Vechavouche, chez Atzam et Bet Asurim, chez Zelo Ayab, Zelo Talu Bipriato, Zemina Shamaim. Par contre, Yordé Ayam Olchem Itbariot, c'est Baba Prira chez l'eau. C'est lui qui l'a fait ça. Et autre chose, vous savez que vous avez dit qu'il sait qu'il va continuer à aller dans les yams, ou à qui la sorte de ça, même quand ça va arriver, cette matzav, qu'il y aurait d'ailleurs des ordres dans le chemit bariot, alors il pourra faire à Gomel. Malgré qu'il y a une chitote, le meir yamen une chita, qu'il y aurait d'ailleurs dans le chemit bar, ou c'est à Gomel rak, qu'il y aurait d'ailleurs des matzav de sakana, mais l'alaha, ce n'est pas comme ça. עצם הדבר שהוא יורד הים והולכי מדבריות כי יהווה לפוטנציאל די סכנה דז'ה יפה להגומל. לגמרא הידי דסווית כפורפר הגומל, לגמרא הידי צריך 10 אנשים כמו סמרקה וירוממו בקל עם, יפה די פרסון, ובמושב סקנים יעללו, יפה עושי כיורה לבא די תלמידי חכמים, כמו למרשה הידי ככם למרגלים יהווה לבא עידה, et à part l'Eida, il y avait aussi Yoshua et Kalev. Donc, alors, il faut 10 personnes et des Tamedei Chachamim. Il y a une grande discussion dans l'Alaha, est-ce que le Baal HaNes il peut être parmi les 10 personnes, comme par exemple Khatan. Khatan, il y a eu l'autre chélec mais à 10 Anashim. Par contre, il y en a beaucoup qui disent non, que le Baal HaNes il ne peut pas être parmi les 10 personnes. Et la même chose, il y en a qui dit que les Tamedei Chachamim est à part. Mais le Massé, Admoa Zaken, il dit que Miché Baalanes, il peut être aussi parmi les 10 Anashim. C'est à lui de Chakira, parce qu'il y en a qui l'explique que les Nyan de Chatan ou les Nyan de Tzibur, là-bas, il n'y a pas de Tisha Onim. Maspik, il y a Shisha, parce que ça signifie qu'il y a Shisha Onim, parce que là-bas, c'est une chèle Tzibur. Par contre, dans les Viromemou, Bikalam, il y a un signal que 10 Anashim ishmaou et ze. Mais le Massé Admoa Zaken dit qu'il y a parmi les 10 Anashim. Et tout ce sujet, c'est nogé à l'alaha. Parce que quand on part sur les Agomel, alors c'est comme les Admoa Zaken Yamed au Shulchan Aruch, que nous agim le varech Agomel bisman kriyat Torah. Lama? Alors, moi, c'est Kennedy, parce que le moment de créer la Torah, il y a 10 personnes, il y a 10 Anashim. Et il y en a qui dit que, par exemple, le Ra'a, il dit que le créer la Torah, c'est considéré comme Moshne Tamedei Chachamim. Mais il y a le Alia Rabba, il dit, Matsati Betorat Chaim, que le réseau qu'on dit à Gomel pendant le Birkat Torah, parce que Baruch, de dire Baruch, c'est Shayach le Oda. Comme on dit les mizmor les toda, que les mizmor les toda, c'est les mizmor que c'est mizmor de remerciement, comme le midrash dit, chez l'atid lavo kol la mizmorim betelim, chutz mizmor les toda, kol la korbanot betelim chutz mi korban toda, parce que c'est marqué al chesed Hashem meolam, comme c'est marqué là-bas qui tov Hashem leolam chasdo. Alors il dit que baruch là-bas c'est marqué odu lo baruch shmo, ça veut dire que baruch c'est parmi le toda. Alors pour cela, quand on olim la Torah, on dit Baruch et Hashem et Amevorach. Pour cela, le moment d'aller à la Torah, c'est le moment qu'on fait agomer. Mais nous, on a mis dans le mashem omer Arosh. Arosh me dit
והחתם סופר מביא את הסברה הזאת, שהגומל זה במקום קורבן תודה. זה קונסידרה במקום קורבן תודה. אז הוא אומר ככה, כמו שכתוב שם את הפסוק, זבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה. וספרו מעשיו ברינה להגומל, זה קונסידרה קום זבחו זבחי תודה. הלור ידי, להחתם סופר, קום לרמה ידי, כי העלייה לתורה זה קונסידרה קום קורבן, פרפור ליולדת, יולדת צריכה להביא קורבן, ואז כשהבעל עולה לתורה והאישה נמצאת בעזרת נשים, באותו הזמן זה נחשב כאילו שהביאה את הקורבן שיולדת. הלו קום קריאת התורה זה קונסידרה כמו קורבן, קורבן, הלו למם שוז, on me khaber le inyan de agomel avec le krat torah parce que la agomel aussi c'est le inyan de korban toda. D'après cet yesod de dire que agomel se considère comme korban toda. Az ze nogea le halakha parce que par exemple l'admo zaken ramesh parce que marqué dans la shulchan aruch que mi she kore parshat korbanot keilu ikriv ola alors tzarich likro parshat korbanot bayom parce que le korbanot c'était bayom velo balaila. גם פרפור לעמידה, ולאדמו הזקן חולק בעניין של עמידה. הלור, דלפי זה יש עיון, אס קומפה פר הגומל בלילה. פסקי סבר קומפה הגומל אבק לברכת התורה, מדפואה קומפה פר סון ברכת התורה, זה נפקמינה, אם עברו שלושה ימים וכולו, אין כאן המקום להאריך. הלור, לקסיו אס קומפה פר הגומל בלילה. דפרי סד יסוד, כי הגומל זה קונסידרה קום קורבן תודה, קום לקורבנות זה רק ביום, הלור, עושה הגומל, קומפה פר רק ביום. Avant, le fils, il y a une grande question. Parce que la moi, Zaken, il ramène dans le Siman Nun Aleph, chez Mizmor le Toda, on ne dit pas Shabbatot ve Yamim Tovim. Parce que Mizmor le Toda, c'est Kimo Korban Toda. Et Kimo Korban Toda, c'est le Karev be Shabbat ve Yamim Tovim. La même chose, on ne peut pas dire Mizmor le Toda be Shabbat. Parce que Mizmor le Toda, c'est Kimo Korban Toda. Et ça, c'est la raison aussi qu'on ne fait pas Mizmor le Toda Erev Pesach, on ne fait pas Mizmor le Toda Cholamoed Pesach, parce que c'est Yann Shel Chametz. Alors, il demande à Maram Shik, si on dit que les Agomel, c'est comme Korban Toda, alors les mêmes façons qu'on ne dit pas Mizmor le Toda Shabbatot Veyomim Tovim, parce que en Korban en toda be Shabbatot yamim tovim. Alors comment ça se fait qu'on dit les agomel dans les Shabbatot pukhazi, qu'on dit agomel dans les Shabbatot yamim tovim? Si agomel c'est kimo korban toda, alors on ramène pas Shabbat le korban toda. Alors on peut répondre très simple. Il y a le rabbi ramène aussi ça ce que l'admo zakeni dit. שלום רים רבי דון לסיחה דפרשת צב, שלום רים מזמור לתודה בשבת, פסקי זה לא קרב בשבת. מזמור לתודה זה כמו קורבן תודה. לרבי פוזין קסיו, כלאדמו הזקן, דון לסימן נון חט, לבא, עידי, נוהגים במנות אלו, שהשלוש מצות של מצווה, אין נעשים מיסרון אחד כמח. עונפה לתרוע מצות זה יסרון כמח, כי אין לחמי תודה, פסקמם לחמי תודה שאתה תרוע סורת דחלות, שנעשים מיסרון אחד. אבל ידיל לנו אז כן, לפיכך אנו עושים גם כן שלוש מצות מיסרון כמח, זכר ללחמי תודה. פסקי היוצא מבית האסורים חייב להביא תודה, ואנו בפסח יצאנו מבית האסורים משיבות מצרים, לפיכך אנו עושים זכר ללחמי תודה. רבי דמון, כמו זה פוסיב כמזמור לתודה, כססלמו בדיבור, אלו פיס כמזמור תודה, זה כמו קורבן תודה, ואין מקריבים קורבן תודה בשבת ויום טוב בפסח, אלו הוא דיפה מזמור לתודה בפסח, תרועה מצות מונשה, כסנו סלמו עם שוז דדיבור. תרועה מצות זה פעולה, זה אינקסיון. אלו, כמו זה פוסיב, כלעניין דתרועה מצות, אוכלים תרועה מצות בפסח, זכר ללחמי תודה. לחמי תודה זה אין פעולה, לחמי תודה זה קורבן תודה שאין קרב בפסח. אלו, למם פסו, כאונדיפה מזמור לתודה בפסח. פסקי אין קורבן תודה קרב בפסח, למם שוז ידיל לרבי, הפריורי, איפופה מונשה שלוש מצות בפסח, זכר ללחמי תודה, פסקי אין תודה בפסח. אלו לרבי לקספי, כבאמת, לעניין קורפון שלוש מצות, יהיה לקונטיטה שלוש מצות, אליה לאיכות, אליה לאיכות. לקונטיטה דשלוש מצות,
Alors, le Rosh dit que ça, ce qu'on prend Shalosh Matzot, c'est pas pour les ignans de Korban Toda. Shalosh Matzot, c'est par rapport que je tzarich Shnaim Shlemot Kimo Kol Yom Tov. On rajoute une troisième Matzot pour l'Echemoni. Comme ça, il dit le Rosh. Et après, le Rosh, il mosif, Nagou be Ashkenaz ou be Tzorfat, Lassot mi Yisaron Echad, Zecher le Lachmei Toda. C'est de dire que d'après la Roche, il dit c'est-à-dire que les quantités, les shalosh matzot, c'est l'eau bishvil korban toda. Les shalosh matzot, c'est bishvil l'echemoni, les shnaim shlemot, l'echemishne. Alors, c'est de dire que les shalosh matzot, begiloui, c'est pas pour l'achmei toda. Rakma, yesh remes be'elem, shalosh matzot baim mikemach. מקמח, מיסרון של קמח, זה זכר ללחמי תודה שעושים באלם. והמורדכי חולק, המורדכי אומר שכל העניין של שלוש מצות זה כל כולו ללחמי תודה. הלו ידיל הרבי קום לאדמו הזקן, היא לפוסק, כלקונטית די שלוש מצות, זה פרפור ללחם משנה, ללחם עוני. אלה תו לעניין, כאונדי, זה זכר לחמי תודה. C'est seulement d'avoir chez BLM, chez l'okrim, mais autant à Kemach. C'est BLM, c'est l'obégaloui. Alors, puisque c'est Begaloui, alors pour cela, c'est pas domaine le mizmor le Toda. Parce que mizmor le Toda, c'est d'avoir chez Begaloui. Quelque chose que c'est Begaloui, ça, on ne peut pas faire Zecher le Koban Toda. Qui m'a l'omar mizmor Toda le Begaloui. Par contre, les nyan de Shalosh Matzot, Atam Agalou Shelo, c'est l'obigli, biglal, l'achmei Toda. Atam Agalou Shelo, c'est biglal l'echemoni. Et là, yesh Belem, chez Shalosh Matzot, nassem auto à Kemar, c'est Belem. Im c'est Belem, c'est Yacholiot Zecher, le Korban Toda. Od avar nosaf, chez Agemara Omeret, Arba Tzrechim Leodot, Rashi dit, que si yotzim min hasakana. Tous les mefarshim du monde, pourquoi Rashi dit que si yotzim min hasakana, pshita, que si yotzim min hasakana. Mais la réponse est très simple. Le rabbi Akiva Iger, il est choker. On dit arba tzrichin leodot, chole vechavush. Alors il est choker. Quelqu'un qui fait agomel sur le yam, est-ce qu'il peut être motzi edei chova, quelqu'un qui est sur le midbar, ou bien non, chacun c'est une autre agomel. Alors il est choker ça. Et c'est à part l'inan de chomea qu'on essaie quand on comme l'arir. La réponse elle est très simple. Il y a une machloket par rapport les arba'a, tzrichim leodot, est-ce que c'est davka arba'a lalou ou bien kol mi shaya besakana. Par exemple, le Avud Ram dit, Davka Arba Alalu, que David Amelech y mentionne dans les Teilim, seulement Arba Alalu. Aval Nesacher, si par exemple, Nafal Alaf Kotel, ou bien Nitzal Midrisat Chor, ou bien Sheba Ariel et Torfo, ça on ne dit pas à Gomel. Parce que David Amelech y signan Rouhani, que seulement Arba Alalu. Mais, les Shara Melech, il y a beaucoup, les Adam Melech, même les Meiri lui-même, et le Rabbi Zaken Ramel et Dezem Shita, qui en vérité, les Nyan de Agomel, c'est l'Avdaka Arba Alalu. L'Igmara, il dit Arba Alalu, parce que normalement, be Arba Alalu, Matsuya Sakana, mais en vérité, les Nyan de Agomel, c'est l'Avdaka Arba Alalu, c'est Kol Mi, Shaya Be Sakana, Ve Unitzol, Azu, Yachol Asote Agomel. Omer Rabbi Zaken, de Kach Nagu. Pour cela, on peut dire ça, ce que Rashi dit, Arba, Tzichi, Leodot, Rashi dit, que chez Otsi, Mina, Sakana, Rashi voulait dire, que c'est l'Av d'Avka, Arba, Lalu. Le Tzad, Achavé, de Arba, Lalu, c'est l'Enyan, chez Otsi, Mina, Sakana. Et ça, c'est la réponse aussi pour les Hakira de Rabbi Akiva Iger. Si on dit qu'il y a un Enyan de Agomel, Selmo, Be Arba, Lalu, Aze, Davka, Yam, Chole, Mitbar, Aze, Hachu, Chou, Yatsa, Mina, Yam, de Hachu, Yatsa, Mina, Mitbar, הוא לא יכול להוציא אותו, פסקי שקה, זה אינות עניין. מסי, זה לעניין, זה סכנה, לא שקה איפת מוציא את השני. הלא רובית מסיים, כמו נדיד תוטלר, כברוך השם, כסה, זה פרפור לתוסה, זה נדיד הגומל, זה פור לגריזון, זה שליח, הרב חי מורדכי, בן רבקה. כשאום פדיר אינשוז, que tous les rabbinim qu'ils ont connu lui, ils ont dit que c'est un homme spécial, yeshlo yichudiyut. Mais moi aussi, je vois une yichudiyut spéciale chez lui, d'un yand de emet.
toujours, il est Emet. Et comme c'est connu partout, Emet, c'est le yand de Nitzri. Emet, c'est le Nitzriout. Nitzriout, c'est le Chaim Nitzrim. C'est Nahar, Sheino, Mechazef, c'est le Maim Chaim. Pour cela, c'est sûr, Bezrat Hashem, que cette Kinnous Torah qu'on a fait aujourd'hui, et tout cet Inyanim qu'on a parlé, ça va ramener lui une guérison qui va être la guérison encore plus forte. Et Bezrat Hashem, son père, son Aharim Shelo, Irvou Menonarbu Nachat, comme les parents, Irvou Menonachat, lui-même aussi, Irvé Nachat, Mibanav, ou Betsetsav, Bezrat Hashem, Irvé Peirot, ou Perei Perot, Bezrat Hashem, Ad Mashiach Tzidkenu. Et comme le rabbi dit que chaque chose, il faut cliquer et marcir bracha, peut-être c'est des biens, des prochains qu'apprenez à lui. Et une petite, je m'attire à une petite chose, l'ignan de que chacun peut choisir un jour ou deux jours, l'ignan l'achof tov al chavero. Comme c'est marqué dans l'Igmara, l'Igmara, il demande le Ramban, comment on peut dire le Kamocha? Une explication Kamocha, qui mange Adam roé à la tzmo, rak et ama alot shelo. Adam לא רואה על עצמו חיסרונות, il voit pas les חיסרונות, il voit seulement les מעלות. La même chose, peut-être chacun, il va, si quelqu'un voulait pendant un jour, pendant deux jours, mais si chacun il peut faire un geste pour les guérisons de Rav Chaim Mordechai Ben Rivka, pendant un jour, deux jours, et si c'est toujours encore mieux, לחשוב טוב על חברו, לראות את מעלת חברו, ולא רק לראות את מעלת חברו, וגם לחכות בשמחת חברו, attendez la simcha de חברו. Et ça, c'est באמת, c'est un Zohar HaKadosh, dans le parashat Miketz. Le Zohar HaKadosh là-bas, il raconte que Rabbi Abba ראה לאחד שיראו לו כמה ניסים גדולים. Rabbi Abba, il a vu quelqu'un qui a eu beaucoup ניסים. אמר לו האדם, alors il dit, מה זכית לכך? Alors il a dit comme ça, כל ימיו, il dit, אם מישהו עשה לי רעה, אני מחלתי לו ולא ראיתי בכלל שזה רע. ולא רק שמחלתי לו, ואם אני ראיתי, פסי שווי כי זה הרפפה דפר מחילה, לא עלה על המיטה עד שהוא לא מחל לו. סבידיר, זה לעניין דרואה מעלת חברו, תונקון כלכה לרואה מעלת חברו, סינגרון סגולה דרמנה לטול הברכות ולטול השפע. Alo bezrat Hashem que très bientôt on va voir les résultats qu'il y aura les bons guérisons et très bientôt Rabbi Yosef Yitzhak Pevsner et son fils il pourra dire ça ce que l'Admoa Zaken dit dans les Igeret katonti mikol hachassadim que l'Admoa Zaken demande c'est quoi les katonti mikol hachassadim il y a beaucoup d'explications en kanama comme le vaher mais une explication que tous les mefarshim demandent qu'est-ce que ça veut dire agobel le chayavim tovot pourquoi on dit lachon chayavim. On peut dire chayavim, c'est la chon chaser. Chaser, c'est la chon chet, ça veut dire quoi? Pas chaser, qui pshuto. Comme l'Admoa Zaken, il explique dans les guerres à Kodesh, que yoter chez Adam, il karev la Akadosh Baruchou, plus qu'il proche vers Akadosh Baruchou, alors il est rien de tout, parce que kule kamei ke loch shive. Kule kamei ke loch shive. Alors quand Hashem, il fait un chesed, il dit à l'Admoa Zaken, dans les guerres à Kodesh, azou il karev yoter la Akadosh Baruchou, parce que chesed roya yimina. חסד רואי אמינה שאין חסדים דממה לכל עמים, ואמינו תחבקני שחסדים דסובב כל עמים. אלו פליס קייה לחסדים, דביה פלי פרוש ורקדוש ברוך הוא, אלו פליס לעניין דקטונתי מכל החסדים, אלו טרביאנטו בעזרת השם, אונס בעזרת השם, אונס מקבל, לפעמים בעזרת השם דפר עם סעודת הודעה, טרביאנטו זה עבוד יותר מהר ממה שחושבים, כיורה לגריזו, איסי למטה, בעשרה טפחים, בקרוב ממש בעזרת השם. Merci beaucoup, Rav Tartel, Chazakou Baruch, Jarkeach. Nous allons donner la parole à notre dernier intervenant et à Kol Oler Acharitoum. Nous avons la chance d'avoir le Rav Kalmenson, le Rosh Yeshiva de Tom Chetmiim Brunois, pour nous faire partager des paroles de Torah comme il s'est le sert. Ensuite, nous allons conclure avec des remerciements du Rabbi Yosef Yitzhak Pevsner. Bechavod. Shomim. On vous entend, Rav Kalmenson. Non, non. Donc, on va commencer, on va dire un Dvar Torah sur Parshat HaShavua, qu'il faut vivre avec le temps, comme le Balatania nous dit.
Et le zchut de la Torah, comme le verset il nous dit, rapé, rapé, le rachamim nous disent, mikan, shenitna, reshut, le rofé, le rapé. Le mot mikan veut dire de la Torah. Toute la force qu'un rofé, il a, le rapot, et tout l'amshachot de refoua, ça vient mikan de Torah. Donc ça, c'est la force, rifut, tihil et sharecha, que quand on fait des livres et Torah, les zchut, les refoua de Reb Chaim. Mordechai ben Rivko, mikan shenitna reshus l'refe, que ça amènera la refoua krevo ou shleimo, bekarov mamash bezrat Hashem itbarech. Donc, nous avons dans la parasha de la semaine, Sheftim v'Sheitrim, je vais dire un petit dvar Torah qui est lié avec la parasha. Qu'est-ce que ça veut dire Shotrim? Alors, nous avons le Targum. Targum Unkelu, c'est traduit Shoftim v'Shotrim, Dayanim v'Pour Anin. Pour Anin. Donc là, il y a déjà une grande question qui se pose. Donc toute la Torah, il y a le mot Shoftim et le Targum. B'chol la Torah kola est traduit Sarchin. Sarchin, ça veut dire Melachon, Sar. Comme ça, il dit le Sefer Ha'aruch, Lachon Yvanim, Lachon Sar. Pourquoi ici le Targum Yonatan il a changé? La seule fois dans toute la Torah, dans tout Hamish et Chumash et Torah, il traduit le Shoftim avec le mot pour Anim. Le Yonatan Ben Uziel, il traduit le Shoftim Sarchin Alimin. La même question, dans toute la Torah, Targum Yonatan Ben Uziel, il traduit aussi comme Targum Unkelus, le mot Shoftim, Sarchin, Sarve Nagid. Là, lui, il traduit, longtemps Ben Uziel, il traduit Alimin. Alimin, c'est Melachon Inish Alma, un homme Takif, Amit. Pourquoi là, il a changé la traduction du mot Shoftim de toute la Torah? En plus de ça, le mot Shoftim existe dans Parshat, Shoftim même après aussi par rapport à la Milchama, c'est écrit là-bas Vedibro à Shoftrim. Et là-bas aussi, ils traduisent tous, tout le Targumim traduit Shoftim Sarchin. Le Targum Yerushalmi, par contre, troisième Targum de Chumash, lui, il traduit là aussi, dans notre paracha, Shoftim, Shotrim, Sarchin. Donc, on a ici trois traductions différentes de Balei HaTargum, Shenitna le Moshe Misinai. Unkelu s'est dit pour Anin, Yonatan Ben Uziel le dit Sarchin Alimin, et le Rochalmi traduit Sarchin simple comme partout. Donc il faut comprendre la base de ces trois traductions sur le mot Shotrim. Donc le Chora, ce qu'on peut dire, Pshat simple, c'est que c'est quoi les Shotrim? La notion de Shotrim. Donc le Gur Ariel, le Maral Meprog, là, sur Chumash, sur cette paracha, il dit qu'il y a deux shitot, qu'est-ce que c'est les Shotrim? Il y a un shita qui dit que les Shotrim, ils sont plus hauts que les Shoftim. Les Shoftim, ils sont Shofet, mais les Shotrim, c'est ceux qui dirigent tout. Les Shotrim sont plus hauts que les Shoftim. Comme ça, il dit, première shita. Deuxième shita, c'est que le Shoftim, c'est eux le plus haut. Et sous les Shoftim, il y a les Shotrim qui accomplissent le psak des Shoftim. Dans ça même, dans cette chita même, que les Shoftim sont plus hauts que les Shotrim, et les Shotrim sont plus bas, il y a deux chitot, quel est le rôle des Shotrim? C'est toute une sikha du Rabbi qui parle de ça. Et le Rabbi explique que la chita du Rashi, ici, dans Chumash, c'est que les Shotrim, c'est quand le chauffet, il fait un psak, et le baldin ne veut pas écouter le dayan, il a la chutzpa, il ne veut pas entendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner des coups. Ça, c'est le travail des chotrim. C'est-à-dire, il frappe, il force le baldin à obéir le psak du chauffet. Il y a encore un chita, qu'est-ce que c'est les chotrim? Le Rambam amène ça dans il chot sanhedrin. Ce n'est pas d'avka les gens qui frappent, les balédinim qui ne veulent pas entendre.
c'est des gens qui sont misovev, comme le Rambam dit, Bahir, Bachouk. Ils tournent dans la ville, dans les marchés, dans les magasins, pour vérifier que tous les gens se conduisent à l'Pitora. C'est-à-dire, les gens, quand ils voient ces mashgichim, ils font attention de se conduire à l'Pitora. Et si quelqu'un ne fait pas l'Pitora, ils font tout pour qu'il suit le chemin de la Torah. Donc, nous avons trois shitot. Qu'est-ce que c'est le shotrim, où ils sont plus hauts que les shoftim, ou beaucoup plus bas, qui donnent des coups au baledinim, ou bien des gens ne donnent pas des coups, mais on leur le respect, on a peur de eux et on se conduit à l'Pitora à cause de la peur. Ces trois shitot dans le Mefarshim, vraiment, quand on regarde, ça c'est trois shitot dans l'achronim, mais quand on regarde dans le Divrei Hatanaim, on trouve ces trois shitot déjà, qui c'était trois shitot Bisman Hatanaim. Dans le Medrash Tanchuma, là sur place, il amène, il dit comme ça, qu'est-ce que c'est Shotrim? D'abord, il dit, première shita, que c'est Parnassim Haomdim Alatzebur, c'est Parnassé Israël, c'est Maningé Israël. Ça veut dire, ça c'est la shita que les Shotrim sont plus hauts que les Shoftim. C'est les Manhigim du Tzibur, et c'est sous leur direction qu'il y a les Shoftim. Deuxième shita, il amène que les Shotrim, c'est quand le Dayan il fait un psak, et la personne ne veut pas obéir, alors il faut les Shotrim pour frapper, pour forcer. Ça, c'est la shita du Rashi. Après, il y a une troisième shita qui est amenée dans le Lach Artov, que le Lach Mishneh amène dans Hilchot Sanhedrin, Perek Aleph, que Shotrim, c'est Elo Balei Egrofim. Ça veut dire quoi? Ce ne sont pas des gens qui donnent des coups, ce sont des gens forts. Et comme ils sont forts, ils peuvent donner des coups, ça fait peur aux gens. Et ils se conduisent comme il faut. Ça, c'est le troisième shita. Donc, on trouve ces trois shita dans l'achronim. Et quand on regarde dans le Divrei Hatanaim, on trouve déjà qu'il y a tous ces trois shita. L'ichora, ce qu'on peut dire, que les trois targumim, c'est déjà, ces trois shita de Tanaïm étaient déjà à Bisman, Beit HaMikdash, Bisman HaTargumim. C'est-à-dire, l'oncle, ce qui traduit ici pour Anin, Pouranin, c'est Mélachon Pouranout, punition. Lui, il tient que ce Shoftim ici, c'est le Shoftim qui frappe pour forcer les Baledinim à écouter le Rav, le Dayan. Pour ça, là, il traduit Pouranin. Dans toute la Torah, c'est clair que le mot Shofet veut dire Tsar Venagid. Un homme Chashuv, comme en Égypte, il y avait les Shotrim qui étaient nommés sur Bnei Israël. Partout, Shotrim, c'est la chaîne Ma'ala, Sarvenagid. Pour ça, partout, on traduit Sarchin. Quand on parle de ce Shotrim-là, de cette paracha, Targumon Kleslui tient pour Anin, ça veut dire la troisième shita, des gens qui donnent des coups pour forcer Kofin Oto Acheyoma Rotsani. Le Yonatan Ben Uzel, qui lui traduit Sarchin Alimin, Alimin, c'est Anashim Takifim. Chizku Vimtsu, le Targum, il traduit « imtsu », ça veut dire « chizku v'imtsu », ça c'est « sarchin ». Comme ça, il amène aussi le Rameau, « alaha ken nish ish alim », ça, ça veut dire « amitz koach ». Ce n'est pas qu'il frappe vraiment, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage et beaucoup de « koach ». C'est-à-dire, c'est la deuxième shita, que les shotrim, ce n'est pas qu'ils donnent des coups. C'est « elu hamistovevim bayir » Mashgichim, que le clan d'Israël se conduit à l'Pitora, Mishum Yirat Haonesh. Le Targum Rishalmi, qui lui, il explique ici, Sarchin, comme partout, parce que lui, tient comme la Shita, que le Shoftim ici, c'est aussi, le Shotrim ici, c'est aussi comme la Shita de Tanaïm, que c'est Parnassim, Omdim Alatzibur. Donc, on voit trois Shitons dans l'Achronim, on trouve ces trois Shitons dans le Divrei Hatanaïm. Et l'Ichora, ça, ce sont les trois shitot, les trois targumin, les trois façons comment expliquer. Parnassim, Homdim, Al-Hatzibur, le plus haut, ou le plus bas, ceux qui donnent des coups, ou bien entre les deux, des gens, Amitsim, Balei Koach,
qu'on respecte, on a peur de eux, on se conduit comme il faut. Les rois, tous ces trois shitod dans l'anglais, on peut les expliquer qu'est-ce que ça veut dire Baruch Niyut, puisque tout ce qui est dans l'anglais existe, Bipnimiyut HaTorah. C'est-à-dire que dans l'avoda de Klal Israël, nous avons trois niveaux. Quand on fait Tania, il y a le niveau de Tzadikim. Les Tzadikim font Torah en mitzvot, Mishum Yirat HaRomemut. Qu'est-ce que ça veut dire Yirat HaRomemut? Ce n'est pas Yirat HaOnesh, le respect de Hachem, d'où on reçoit Yirat HaRomemut. Ça, on reçoit de Moshe Rabbeinu, comme c'est écrit dans Tania, Kikarov Elech HaDavar. Yirat HaRomemut, on reçoit du Nasi Hador. Donc, ça, c'est le niveau de Tzadikim, et ça, c'est la première Shita, la Shita du Talmud, du Roshami, qui l'explique que c'est Sarchin. Sarvenagit, ça veut dire le chef. Parnassim, on dit Malatzibur, ça veut dire le Nisie Israël. Que grâce à eux, on fait Torah au Mitzvot, Mishumirat HaRomemut. Comme un tzadik, là, il n'a pas besoin de passer par des niveaux plus bas. Après, il y a le deuxième niveau, ça c'est le niveau de Benonim qu'ils ont, Yetzirara. Donc, ça ne leur suffit pas, Yirat HaRomemut, parce que le Yetzirara n'a pas toujours, il comprend les Dargot, Gvohot, Mehot. Et pour le Yetzirara, beaucoup de fois, il faut utiliser, comme c'est écrit dans Ranat, Yirat HaOnesh. Pashut, il a peur de la punition. Et c'est pour ça qu'il ne fait pas de péché. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Sarchin alimine des shotrim, de qui on a peur. On a peur, comme on a vu, Anashim Amitsim, Balei Grofim, Irat HaOnesh. S'il ne va pas se conduire à l'Pitora, il a peur de Onesh qu'il va recevoir. Donc dès le début, il ne fait pas de péché, comme le Benoni. Après, il y a le troisième niveau. Ça serait Shaïm qui, malheureusement, même le Yirat HaOnesh ne leur suffit pas, ni Yirat HaRomemut, ni Yirat HaOnesh, ils font le péché. Et après qu'ils font le péché, Shaïm Eleim Haratot. Eux, pour qu'ils arrivent à Tshuva, il faut arriver au troisième niveau de Shoftim, Kofin Oto Hachei. Yomar Rotsani, ce qu'on dit, qu'on leur donne des coups, comme la Gemara de Sanhedrin. Hachem dit, Mabid Alehem, Melech Kehaman, jusqu'à que même eux, ils arrivent à faire tchouva. Donc, on a vu que tous ces trois niveaux de Shotrim existent aussi, Beruchnis, trois niveaux. Et on peut expliquer ça aussi, comme Rabbi l'explique toujours, le rapport, l'Ichora, entre Yonatan Ben Uziel et Unkelus et l'Yerushalmi. L'Yerushalmi, lui, il tient le niveau le plus haut. Il traduit Sarchin, ça c'est Yirat HaRomemut. Parce que l'Yerushalmi, Yerushalayim, c'est Melashon Yireshalem, Yirashlema, Yirat HaRomemut, le niveau de Tzadikim. Et comme dans Yerushalayim, Bizman Shebeis HaMikdash Haya Kayam, c'est écrit en Sidout, donc il y avait le Gilui HaShchina, donc Mitzad, le niveau de Yerushalmi, ça suffit Yirat HaRomemut, Moshe Rabbeinu, les Shoftim, les Shotrim qui sont ici et Israël, sous niveau le plus haut, le Nasi Ador et le Mamshir, dont tout le monde irait à Romemut. Donc, Sarchin, Sarvenagid, et c'est grâce à cela qu'on se conduit comme il faut à Torah ou Mitzvot, Mishum irait à Romemut. Le Targum Yonatan Ben Uziel, il était aussi en Israël, mais lui, il était Bizman Chouban Beit HaMikdash. Il était en même temps que Rabbi Hanan Ben Zakkai, les deux élèves du Hillel. Rabbi Hanan Ben Zakkai, on sait bien qu'il était Bizman Achouban, Yavne Vechachamera. Donc, Bizman Achoum, quand il y avait déjà la Yirida et Golus Hashchina, on n'est plus au niveau de Tzadikim, mais au moins au niveau de Beinonim. C'est quand même, on est encore en Israël, où c'est Eir Yoshor, Talmud Yerushalmi, Eir Yoshor. Donc, au niveau de Beinonim, il traduit Sarchina Limin, Yirata Ornesh, on ne fait pas de péché Chas Vesholem, on n'est pas au niveau de Yirata Romemut. Mais au moins, Yirat HaOnesh qui empêche qu'on ne fait pas de péché comme un Beinoni. Le Targum Unkelus, qui lui vient de Golus, le neveu de Melech Rémi, dont Golus est Marchaki Meshivan Vim Zetamu Bavli. Donc Golus Chasvisholem, on peut arriver avec Golus Hashchina, le Cheshach Kofur Mechupo, ça peut arriver qu'un juif Chasvisholem descend au niveau plus bas que le Beinoni, et il a besoin
de Sheitrim, comme il dit Unculus, pour Anin, pour Anut Mamash, Kofinoto Acheyei Marotzani. Donc on a vu ici, l'Ichora, dans ce verset, Sheftim et Sheitrim, on a vu comment il y a trois Shitot, qu'est-ce que c'est le Sheftim et le Sheitrim, dans le Meforshim, et quand on cherche bien, on voit que c'est déjà trois Shitot qui étaient discutées, Bisman Hatenoim, et ça monte plus haut encore, l'Ichora, le Targumim, les trois Targumim, que c'est le Sheresh de ces trois Shitot, parce que tous les Shitot, c'est Emes Lamite, Elové le Divre le Kim Chaim, et ça représente tous les niveaux qui existent dans Klal Israël, le niveau de Tzadikim et Beinonim, et le niveau qui ne sont même pas Beinonim, mais il faut qu'ils arrivent à faire Tshuva par le Sheitrim, jusqu'à que Zdeines Nasulam Kezochis. Veiratzon, que nous allons vraiment être Zoché par l'Imouda Torah, au niveau de que le Tzadik Hador, que le Nassi Hador, le Moshe Rabbeinu Shebedereinu, va nous amener tous au niveau de le plus haut, de Prina Tzadikim, Yire Soreimemus, par lequel nous avons l'envie d'aider à sortir le plus vite du Galout, et tout c'est surtout ce schout d'être Shluchim du Rabbi, que Shluchim Shalom, donc que Meisei, c'est sûr que le Rabbi, il nous fera sortir de Galout tous ces shluchim en bonne santé, begashmis ou veruchnis, santé, mamesh lamatem asorot fochim beifn, tani Hashem reifecho, 100%, avec le zchut de l'imud ha-teire, le zchut d'accomplir la volonté, le shlichut du rabbi, qui va nous faire sortir de ce golus, bimheiro v'yomeinu mamesh, omen kein yehi rotzeh. Arkea, Rav Kalmanson, nous allons conclure ce qui nous, en donnant la parole au Rav Yosef Yitzhak, qui a tenu à remercier l'ensemble des intervenants et des participants. Nous tenons à lui témoigner tout notre soutien et notre affection. Également, je voudrais remercier tout particulièrement toute l'équipe de l'association Menorah, organisatrice de ce Zoom. Ils ont été très, très performants et efficaces. On leur souhaite une grande réussite. Quant à moi, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants et des participants et d'espérer qu'au moment d'union de notre communauté apporte la guérison totale et immédiate à notre cher Rav Chaim Mordechai Pesner avec la venue de notre juste Mashiach. Amen. Erev Tov, Chodesh Tov et Khatima Tova. Rav Yosef Yitzhak Pesner pour conclure. L'chaim, l'chaim. Premièrement, un grand échaquéach, un grand échaquéach à tous les participants, les organisateurs. Il y a une sikha du Rabbi qui explique comment on peut parler de nos jours d'Ava Yirat Hashem. Et le Rabbi explique que lorsqu'on fait une mitzvah behidur, dans le fond, c'est l'expression de Ahavat Hashem. S'il n'y avait pas Ahavat Hashem, on se serait contenté avec le minimum. La même chose, lorsqu'on fait un hidur pour une gzera, pour s'éloigner d'une avira, ça exprime Bipnimiyut Yirat Hashem. Le remerciement de la part de ma femme, de moi-même et de toute la famille, et de bien sûr Chaim Mordechai Ben Rivka, il est non seulement pour le fait que des dizaines de personnes et de très nombreux rabbanim sont restés plusieurs heures pour, comme on a dit en Russie, tous pour un et un pour tous, tous pour un, pour qu'un juif ait une refoua shlema. Il n'y a pas que ça, il y a encore quelque chose qui exprime le sujet de Ahavat Israël. Il y a quelques mois, mon ami que je ne présente pas,
puisqu'elle a été mentionnée. Yossi Attal, il m'appelle, il me dit, quand est-ce que je venais à Sinaï parce qu'il veut me montrer quelque chose. Quelquefois, c'est pour demander à participer ou à conseiller pour de nombreuses mitzvot qu'il fait, des Gmelout Hassadim, Ad Blidai. Mais quelle ne fut pas grande ma surprise de voir qu'il y a un groupe de rabbanim, d'askanim, de shluchim, de menahalim qui se sont eux-mêmes spontanément réunis dans le cadre des nouveaux bureaux du Vaad pour prendre d'achlatot et écrire au rabbi et demander une bracha de refoua shlema. Ce jeudi matin, ce dimanche matin, il y a quelques jours, je vois Yossi Attal à Sinaï. Je lui parle de l'opération dans quelques heures. Je lui dis, il serait bon de rappeler aux gens qui ont pris d'Akhlatot de renforcer le kiyum d'Akhlatot. Et c'est tout. Ça s'est arrêté là. Et voilà que quelques jours après, j'apprends de la mise en place de cette merveilleuse, exceptionnelle soirée que nous sommes encore des dizaines de personnes en train de vivre. Donc, cette forme-là, de ne pas attendre que quelqu'un demande un service, mais de sentir le besoin de l'autre et de prendre l'initiative sans attendre que quelqu'un le lui demande, c'est très touchant. Et c'est certainement quelque chose qui a une valeur aussi grande que l'action elle-même. Donc, de ma part, de notre part, je ne peux que relever ça pour dire un échoquer. J'aimerais aussi dire que normalement, je devais être à côté de Chaim Mordechai physiquement, mais lui m'avait demandé de rester là pour s'occuper de ses enfants, pour le faire entrer à la yeshiva, etc., à sa place. Et donc, le jeune frère de Chaim Mordechai, Arya Leib, que Hachem lui accorde une longue vie, représente toute la famille. Et depuis une semaine, depuis mercredi dernier, ils sont partis aux États-Unis pour le préparatif de cette opération. Ils sont passés par New York, et en arrivant à New York, ils sont partis directement sur le OL pour demander une bracha. Et en quittant le OL, ils ont ouvert un livret Kodesh à l'intérieur même du OL. Il faut dire qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de monde là-bas. Et il y avait une lettre exceptionnelle du Rabbi que Be'etzem, on aurait dû déjà faire Soudat Hoda'a ce soir. Mais on en parle. Comme ça, la Soudat Hoda'a est déjà commencée par tous ces Divrei Torah, puisque la Divrei Torah, Mesamchim Lev, Torah Tachem Tmima, Samechet Nefesh. Et le Rabbi explique que la refoua, elle vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même, mais il faut juste une achiza bederech hateva, il faut une action de la nature. Et le Rabbi dit, puisque vous avez voyagé pour rencontrer un docteur, c'est déjà une achiza bederech hateva. Et il ne faut pas écouter ce qu'ils disent les docteurs, le Rabbi dit dans la lettre, que ça doit prendre beaucoup de temps, puisque Mikan, tout à l'heure le Rav Kamelson a parlé de ça, Mikan shenitna Torah reshut le refait le rapot, que la Torah a donné la force, le droit aux médecins de guérir, mais pas de prédire l'avenir. Donc le Rabbi dit, n'écoutez pas ce qu'ils disent les docteurs. Alors en vérité, notre cher Pror Chaim Mordechai, on peut dire qu'il est déjà Meloumad Benissim, puisque tout à l'heure lui-même avait mentionné l'âge de 3 ans et demi, il a été foudroyé par un très méchant méningite qui l'a plongé dans le coma. Et les médecins, ils ont dit, il ne faut pas attendre grand-chose. Maximum, il sera une légume. Chas v'shalom.
Et à l'époque, des centaines et des milliers de juifs se sont mobilisés pour prier pour lui. Je me rappelle aussi Rav Azimov Zichrono Livracha, que je l'ai appelé en soirée. Et dès le lendemain matin, il y avait le camion qui a imprimé le Tania dans la résidence où nous habitions à Charenton. C'était l'époque où le Mifta du Rabbi, c'était l'impression de Tania dans chaque ville. Et Baruch Hashem, contre toute prédiction, il s'est réveillé du coma. Mais pendant quelques jours, il n'a pas encore parlé. Les médecins, ils ont dit, c'est comme ça, c'est une séquelle. Et Baruch Hashem, il se remet à parler. Et les médecins, ils ont dit, si jamais il se remettra à parler, il sera extrêmement violent et méchant, et il sera sauvage. Et tout le monde connaît la sauvagerie, entre guillemets, qui s'exprime par une extrême douceur et sensibilité et serviabilité de Chaim Mordechai, qui est vraiment Samer Bechelko, qui a vraiment Simchat HaChaim, qui ne fait pas attention de ce qu'il n'a pas depuis son plus jeune âge, mais il est heureux avec ce que Baruch Hashem il a. Donc on voit déjà ouvertement que c'est accompli ce que le Rabbi vient de lui réécrire dans la lettre, qu'il ne faut pas écouter ce qu'ils disent les médecins, et que Derech HaTeva, il fallait qu'il voyage et qu'il fasse les préparatifs, etc. Et Baruch Hashem, ça s'est fait. Je reviens donc dans les années Tafshin même, dès que Chaim Mordechai était un peu mieux, on est parti chez le Rabbi pour Yud Bet Tammuz. Et à l'époque, Yud Bet Tammuz, il n'y avait pas une Yechidut, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'Orchim qui sont venus, ou pour d'autres raisons, j'ignore la raison. En tout cas, il n'y avait pas une Yechidut. Rav Roner, il a dit, vous pouvez écrire donc un tzettel, d'écrire donc une lettre, pour expliquer tout ce qu'on aurait souhaité exprimer durant, dans le cadre d'une Yechidut. Et dans le tzettel, j'ai écrit que nous sommes venus parce que nous sommes sûrs, nous espérons avoir ainsi amené Nachatrua Chorabi, de voir le petit. Alors le Rabbi l'a entouré le mot Nachatruach, il a enlevé le mot j'espère, et il a écrit avec sa propre main, Biktav Yad Kacho, Asa Nachatruach Rav, il a repris Nachatruach de ce que j'ai écrit, et il a ajouté avec Biktav Yad Kacho Rav, avec un grand rege bet, il a tout ça entouré, qu'il a fait Nachatruach Rav en le voyant dans cet état. Je pèse mes mots en vous disant, en me disant, que ce soir, je suis sûr, Blishum Safek Osfek Sveka, qu'on a fait un très grand nachatouar au Rabbi. Que le Rabbi voit tous ses enfants, tous ses shluchim, ensemble, la main dans la main, Bachinu Avinu, Kulanu Kehad. Que tous les mosdot sont réunis ensemble, depuis la Yeshiva, Bet Rivka, Bet Lubavitch, Neor, Sinai, et toutes les Kehilot, et la plupart des Rabbanim, et qui sont tous ensemble de tous les milieux. Je crois que le Nachat Ruach de ce soir qu'on a eu le Sroot de donner au Rabbi, c'est un véritable Yirid, c'est un véritable foire, parce que depuis des dizaines d'années, il n'y avait pas une si grande foire de Avat Israël et de Ardout Israël en France comme ce soir, par le mérite de Chaim Mordechai, qui est un garçon simple, consensuel, sans manière, sans politique, avec vraiment des midot tovot et de Yirat Shemaim, qui on peut vraiment s'en inspirer, l'orech yamim veshanim tovot. Et j'aimerais ajouter encore quelque chose. Je suis certain que ce soir, ce n'est que le début d'une nouvelle ère. Chacun peut continuer à penser à sa manière, mais ish et re'eyo ya zéro ou le achiv yomar chazak. Il y a un ish, il y a un re'eyo, il y a un rabim,
et Endo Esem Shavot, c'est normal, puisque chacun a sa shlichut propre et sa personnalité propre. Mais non seulement ça n'empêche pas, non seulement ça ne doit pas être une cause de division, et ça n'empêche pas qu'il y ait Ardout et Avat Israël, mais au contraire, comme on a vu ce soir, chacun pour tous et tous pour un. Ish et Reyu Yazoru, ou le Achiv Yoma Chazak. Donc je suis sûr que l'événement de ce soir, qui est vraiment un événement historique, va se poursuivre pour Ulanim Shechet. La chose va se poursuivre et ça va aussi donner des pérotes pour élargir encore plus et approfondir encore plus les Shitouf Poula entre tous les Mosdot, entre toutes les Kehilot, entre tous les Rabbanim. Et ainsi, nous pouvons dire dès ce soir à Chaim Mordechai que dans à peine quelques heures, il va passer sous le couteau. On peut lui dire que nous sommes rentrés maintenant, depuis pas très longtemps, en tout cas depuis la Shkia ce soir à 8h30, le début de ce rassemblement, nous sommes rentrés dans Chodesh Arachamim, Vaslichot, c'est le Chodesh d'Ani le Dodi, Dodi li Begaloui, c'est le Chodesh que le roi Kadosh Baruch Hu, il vient dans le Sadé, il vient dans le champ. Et comme le Rabbi explique, ce n'est pas juste un exemple, mais c'est concrètement comme ça. Kadosh Baruch Hu, il vient dans le champ. On me kabel et kulam, besever panim yafot. On m'arrête panim shochakot le kulam. Il accepte, il accueille tout le monde. Besever panim yafot, et il sourit à tout le monde. Alachat kama vekama, que tous les nyanim, c'est beto vanir et vanigle, donc Chaim Mordechai, tu peux être sûr. Chaim Mordechai ben Rivka. Tu peux être sûr que tu n'es pas seul, mais qu'il y a les dizaines de personnes qui ont participé à ce Zoom, les dizaines de milliers de tfilot et de maasim tovim et de tzedaka et de achlatot tovot qui ont été prises et qui vont être prises, qui t'accompagnent pour que tu puisses très vite revenir en bonne santé. Et par conséquent, comme on a commencé le kinous par de Maïsebte, où Rav Azimov il a parlé de l'importance qui était retfir le Hotsdoka, je vais aussi me permettre de terminer avec quelque chose de concret. Je propose que ceux qui m'écoutent maintenant et qui sont d'accord, donc de prendre immédiatement comme ça dans la chaleur, dans la Hitrakshut, dans les Torahout, de Abat Israël et de Arkut Israël. De prendre un papier et d'écrire un pidyon au rabbi, si possible avec une achlata tova, ma'asit, concrète, qu'on puisse accomplir concrètement. Tout à l'heure, le Rav Zerbib a mentionné le nouveau cours qu'il a institué dans le collège d'hier. J'aimerais, Rav Zerbib, vous en remercier et vous dire que Israël Goldberg m'a téléphoné quelques jours après. Et il m'a raconté avec beaucoup de chayout comment ce shiur suscite beaucoup d'intérêt et comment Chaim Mordechai a laissé de très bonnes impressions sur le kollel, etc. Donc voilà, que si chacun peut écrire au rabbi une achlata ma'asit, ou même sans achlata, le etzem inyan, qui on dit le Havat Israël, à minuit, de prendre un papier et d'écrire au rabbi le kvedush asagnen merenu verabenu, מלך המשיח שליטו, אדכי, אונו, לירה, רחם, למרבים, אבוחי, מורחי, בן רישקה, לרפואה שלמה, רכסיומים, וסי פוסיבלה, וכנחלוטה, וכולו. זה סיור, כסבא, אג'וטי, בוקו, בוקו דברכות פולוי, פורבו מן, פורטו בתפמי, וזונפון, וכייה, אריכות ימים ושנים, וכייה, בוא נחי, מזין רוויחי, וכייה, פורטו למונד, כסיב ובחסים את טבע, דז הפרזון, et qui encore, avant la fin du premier jour de Elul, ont été informés de la réussite totale de cette opération, et qu'on sort concrètement, encore une fois, un grand, grand, grand Shkeach à tous les Metaskim, à tous les Mitarnarinim,
et tous les rabbanim qui ont fait des vrais Torah, et ceux qui ont voulu faire et qui n'avaient pas le temps de faire et qui vont faire la prochaine fois, etc. Et tous ceux qui ont écouté, vechouli, vechouli. Bonne soirée et Yisra Kher Gadol. L'chaim, l'chaim.